Ouais. Parce que Une technique d'entraînement à la résistance et la douleur. Il doit avoir bon goût le sol. Mais moi j'avais pas la partie du cerveau qui permettait de le faire avant. Ouais, parce que je t'ai fait une lobotomie, c'est pour ça, quand t'es né. D'accord. Alors ça a quel goût, Bellette? C'est bon. C'est bon, voilà. Aïe. 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 Arrêtez de dire aïe, vous êtes. Mais pourquoi il fait des pompes, Bennett? Qu'est-ce qu'il a fait? Exactement. Il a rien fait, Bennett. Pourquoi t'as fait des pompes? Non, mais vous voulez écouter le seul. Vous voulez faire pareil? Non. Je réfléchis deux secondes. Il est brûlant, j'ai pas envie de me coller le nez. User joined your channel. User joined your channel. C'est quoi ça? Je pense que Capitaine et El Comandante attendaient d'arriver. En retard. Et du coup, on va faire quoi ce soir? Ah, ça fait 10 minutes que je pars dans le vide. Bonne question. Parce que c'est pas que les Russes foutent des branlettes tous les soirs, mais c'est. Et il y a pour ça qu'on est là. Hein. Il reste des Russes. Très bonne question. Ah. Je sais pas, c'est une petite question souvent. Tu sais qu'il y a plusieurs côtés? Alors. Pour la Kital. Ouais, les Japonais ont coupé les couilles des millions de fois, j'ai l'impression. Oui, mais c'est bizarre parce que on avait perdu hein, contre les gardes japonaises dans la dernière mission. Alors, je comprends pas comment on a fait pour gagner. Enfin, la dernière mission, on a galéré comme jeu, genre. Regarde à vous! Putain, je suis coincé. Ils vont dire bonjour, c'est juste que le maréchal de Logibourne a des problèmes de parole. De corde vocale. C'est qui arrive là? C'est Yarny. Stark. Stark. Négatif, c'est Yarny. Star. User was moved to your channel. Regardez, il est triste, il est des pouvoirs. Excellent. Et regarde, Sam, tu peux le faire, ça. Sam. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Aïe. Oh, putain. Caporal, oui, aïe. Dépêche-toi. Aïe. J'ai que. Oh là, je suis. Oh là, je suis. Oh putain. Bonjour, Major. De respect. Bonjour, attendez. J'ai un petit souci. Très bien, Major. Ça va? Mais très bien. Bonjour, Maréchal de Logis. Bonjour à tous. Qui c'est qui m'a fait ça? Mais je montrais juste à Sam ce qu'il pouvait apprendre. Bordel. On peut être permission et qu'on revient, c'est le bordel. C'est toujours la même. N'importe. Bonjour, wesh. Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. J'ai jamais dit comment on parlait en. N'importe. C'est un petit peu relou quand même, hein! Allez, taisez-vous, caporal! Oui, chef! C'est mauvais pour la santé! Voilà! Mais pas des Kaira ici! Pas des Tog! Voilà! Y'a le capitaine qui arrive! Ça serait sinon! Allez, en rang! Ah bah, on est en rang, hein! On n'est pas en oignon! Bon, chef. Alors, ça, c'est nul! Allez, pour le capitaine, garde à vous! Merci, lieutenant. Bonjour à tous. Ah. Bonjour. Bonjour, capitaine. Comment allez-vous? Bonjour, capitaine. Sam. Un peu inquiet par rapport aux derniers événements. Repos, messieurs, repos. Un peu inquiet par rapport aux derniers événements qui se sont passés. User joined your channel. Alors, attendez, hop, faut... Puis comme les gens... Alors, j'ai pas encore pu constituer les groupes. User joined your channel. Les gens sont arrivés tardivement. Alors... Oh, pardon. Wow. Ah, qui c'est qui a des serflex dans son uniforme? C'est moi. Eh ben alors, vous avez pas le droit? Ah bon. Le droit. Et... Non, on a pas le droit. On a combien de Muller vous participez ce soir? Oui, il est en train de faire les matériels. Normalement, oui. Ouais, mais à la mission entière ou juste au MV? Mission entière. Attendez, je vais demander. Il m'a dit normalement mission aventure. Et juste tard, non, c'est pareil. Et on avait prévenu le lieutenant colonel tout à l'heure pour dire. Donc on va pouvoir sortir un blindé, c'est formidable. Forest. Forest, vous savez conduire les pilotes et les hélicoptères, évidemment. Vous. Ah, il est où, Poulette hein. Oui, c'est vrai. Alors Forest, ce sera. Un couteau suisse. Vous serez avec. Un couteau indien, je. Oui. Il est où, Poulette? Tard. Maréchal des logis, rangez ça. Range-moi ton gagne, Michel.
Mais mon petit poulet, il est pas là. Pourquoi il est pas là, poulette? C'est pas normal. S'il vous plaît, Blaise. Bah oui, mais c'est pas normal. Oui, oui, mais on n'est pas au centre de loisirs. Ici, il est pas là, il est pas là, point final. Mais c'est mon papa, je suis inquiète. Il est peut-être tombé, il s'est peut-être cogné la tête et il s'est peut-être cassé une jambe. Mais non, tout va bien. Il a pas de bracelet pour appeler si ça lui arrive, vous savez bien. Il trouvait ça trop cher. Oui, je peux jouer jusqu'à 23h. Enfin, je peux être présent jusqu'à 23h. Ok, bon, alors vous irez avec les Bourne et Müller. Ok, très bien. Ça fait des... Alors, attendez. Bonjour, c'est un petit mon château. Oh là là, ça c'est pas normal. Poulette, il est pas là. Continue de m'appeler sergent chef pour m'embêter alors. Pourquoi vous disiez major Champy est enfin, là. Attention, voisin, non, parce qu'ils sortent des bâtons dans leurs fesses. Non, mais ça c'est juste. C'est bizarre. Alors, attention à ce qu'ils mettent dans leurs fesses. Je peux faire un AFK, s'il vous plaît. Je vais faire l'appel rapidement. D'accord. Je vais lire ma liste, voir si j'ai oublié personne. Donc, allez-y, Blaise, je sais que vous êtes là. D'accord, merci. Alors, Cole. Présent. Dark. Présent. Démange. Présent. Shadow. Présent. Yarny. Présent. Naka. Présent. Stuart. Johnson. Lâche. Il est en train. Dans les nages. Il est en train. Ouais, mais vous êtes présent, très bien. Forest, il est là. Bennett, je l'ai entendu. Bourne, Müller, il est là. Champy. Présent. Est-ce que dans les rangs, j'ai oublié quelqu'un? Très bien. Oui, moi, mon capitaine. Qui? Yves. Ah, André-Yves. André-Yves. Oh là là. Je crois qu'il est tout percuté, j'ai eu peur. C'est l'ordure. Par contre, ouais, il a toujours des problèmes de... Ouais. Oui, là, oula. André-Yves, pardonnez-moi, André-Yves. Ouais. Très bien. Faut vraiment faire attention aux voisins, ouais. Je vais vous expliquer le briefing. Hop, j'ai passé au briefing. Allez, Müller, venez. Il y en a un qui se met des trucs dans les fesses, l'autre qui s'en va, il se fait marabout à distance. Müller juste à moi, on est marabout officiel. J'ai vu le temps que ça retourne sur le temps des fesses. Ah, et Müller. Ah, il y a moyen. Müller, il est en train de faire du moonwalk. Ah, c'est ça, quelques problèmes. Il est très fort, il est très fort avec ça. Il est très talentueux. On a fait même avec le blindé, c'est magnifique. C'est dingue. Oh, on est en mission, en fait, face aux japonais, les mecs. Sinon, désolé, mais respect à ceux que j'ai pas vu. Redémarrer rapidement. Bonjour, Orange. Ah, vous m'avez pas dit bonjour. Gay, du coup. Bon, écoutez, le colonel est parti faire un tour en voiture, je ne sais pas où il est. On va commencer sans lui. Il va arriver en mode cours dérapage. De la place là, je suis en train de faire des caporaux. Mais que des caporaux. Voilà. Ah ouais, seul. Mais vous ne l'êtes pas, vous êtes loin d'être seul. Forest, reculez s'il vous plaît. Plus, s'il te plaît. Non, c'est juste le soldat. Merci. Ok. Hey, Müller, j'allais penser, t'es allez, messieurs, nous allons commencer. On va essayer de pas trop perdre de temps. Allez, dans l'idéal, 22h, on est parti. Ah bah, Kubrat, il arrive. Eh bien, Kubrat sera avec moi ce soir. Voilà. Ah. Très bien. Ça va y changer. Ce qui peut libérer Champy. Bennett, ça vous dérange pas d'aller sur le terrain ce soir? Non, mais sûrement que... Je vous laisse le choix, Bennett. Soyez honnête avec moi. Allez sur le terrain, mon capitaine. Ah, formidable. Eh ben, c'est parfait. Comme ça, nous avons deux escouades de 5 grâce à votre bonne volonté. Champy et Forest seront au 6e. Et ce soir, avec moi en opérateur drone, ce sera Poulev. Parfait. Les groupes sont faits. Ouais. Messieurs, donc la situation est relativement critique au sud de Kavala. Depuis notre passage... Comment ça se fait que je peux pas bouger sur ma map, moi? Ah si. Depuis notre passage à Djelochori et le bombardement de cette dernière, nous avons appris qu'hier dans la nuit, les villes de Neri et de Panuchori ont également été bombardées. Beaucoup de morts civiles sont à déplorer dans la zone.
et une présence d'insurgés russes, mais aussi de militaires russes, sont à déplorer dans ces deux villes et entre ces deux villes. Autant vous dire, donc, je vais vulgairement... Oh, je suis allé trop bas au sud, là. Oula. Voilà, on va dire ça. J'ai vulgairement entouré la zone sur votre map. Dans toute cette zone, donc, il y a de l'insurgé russe en coalition avec l'armée russe. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de morts sont à déplorer du côté civil dans ces deux villes. Il y a eu vraiment des bombardements, femmes, hommes et enfants, ils sont passés sans distinction aucune. Notre mission de ce soir est de repousser l'ennemi et le retrancher dans Kavala. Pour ceux qui réussiront à nous échapper. Voilà. Ce soir, les chefs d'escouade seront Cole et Yarny. Alpha D'accord. pour Cole, bravo pour Yarny. Cole, vous serez secondé par Stark. Yarny, vous serez secondé par vous-même, mais par Blaze. Non, mais il est possible que le lieutenant Schulz arrive. Si le lieutenant Schulz arrive, je l'assignerai à Bravo. Toutefois, Yarny, ce soir, c'est vous qui aurez les commandes. D'accord, bien pris. Dans Alpha, nous avons Cole, Stark, Demange, Shadow et Bennett. Dans Bravo, nous avons Yarny, Blaze, Naka, Stuart et Andreev. Je répète pour Alpha, Cole, Stark, Demange, Shadow, Bennett. Pour Bravo, Yarny, Blaze, Naka, Stuart et Andreev. Le sixième CT ce soir sera Forest et Champy. Le premier DB sera Jackie Bourne, Starbourne et Muller. Ouais. Moi-même, je serai sur le terrain avec Kubrat Poulef. Est-ce que vous avez des questions? Moi. Oui. Capitaine, insurgé et les militaires sont ensemble ou... Affirmatif. Ok. Dès que vous voyez du vert, vous dégommez, vous cherchez pas à comprendre. Ok. Sur zone, aucune présence civile n'est à noter. Ici, mur. Nous avons, je le dis et je le dis avant le transmettre au chef d'escouade, nous avons au moins 5 à 7 BTR sur zone. C'est du BTR 70. Donc sortez les AT et bien évidemment le 6ème serait autorisé à frapper en pleine ville, sauf exception. Demandez bien mon autorisation avant. Mais les frappes en pleine ville sont autorisées parce que malheureusement les Russes ont frappé avant nous. En matériel, beaucoup de Kalachnikov, hein, beaucoup d'armement russe dans l'ensemble. Pas de position fixe à noter, à notre connaissance en tout cas. Nous avons également de l'UAZ d'armée, ça découpe. Et donc quelques présences datées au sol, infanterie sont à noter. Donc premier blindé, gare à vous. C'est bon pour tout le monde. Oui. Ce soir, vous allez vivre une bataille comme vous ne l'avez jamais vécue jusqu'à présent, en tout cas au sein du premier GTIA, de la ruine et des corps civils. Je vous souhaite d'avoir l'estomac bien accroché. Je vous souhaite de la discipline, de la bienveillance et bien sûr de la rage de vaincre. Car ce soir, nous repoussons l'ennemi, nous le faisons se retrancher dans Kavala. Est-ce que c'est bien pris, GTIA? Bien pris. Alors, Stark et Blaze, vous pouvez emmener vos hommes. Je veux avec moi Cole, Yarny, Forest, Champy, Bourne, Jackie et Poulev. Négatif. Qu'est-ce qu'ils prennent en matos? Donc Blaise, du coup, tu te mets en médecin. Johnson, je te veux en TP, parce que vu qu'il y a beaucoup de montagnes, ça peut être utile. Johnson ? Oui. Ok, donc tu te mets en TP. Yves et Zed, vous avez des formations spéciales ? Comment okay. allez-vous, poulet ? Moi, je peux me mettre en MG, si vous voulez. Ça va. Désolé, faut que je m'en petit souci. Ouais, non, tu vas prendre MG. Ça vous a juste coûté Yarny, vous êtes avec moi ce soir. Nous en avons discuté. Oui, tant mieux, tant mieux. Ça sera Forest qui va prendre les gars. En LAT, je prends pas de temps. Qu'est-ce qu'il faut encore là ? HK ou FR ? Qu'est-ce que vous faites encore là ? Allez, vous habillez. Allez, Yarny viendra finir les équipements, vous en faites pas. D'accord.
Suivez le guide, les gars. Perdu. Je vais te passer mon. Suivez le guide. Mon pack. J'aurais une tendue verte. Et Bennett, tu fais quoi d'habitude? Ouais, wow, j'ai enfin, pas je beaucoup d'espèces, c'est critique. Ouais, je suis le seul. Voilà, hop. Je vais mettre du matériel dans le. Tiens, puis, ouais, pareil, je vais mettre du matos dans le. Puis. Ah, ils sont pas réarmés encore, Miller? Non, pas encore. Ça roule, je te laisse faire. Ah bah je vais te filer un coup de main pour le mien. Comment tu skies par terre? C'est un par. On prend lequel? On prend celui-là, moi je. Ouais, ouais, attends. Ouf. Ouais, il m'a fait peur. Moi aussi, j'ai peur. Faut. Faut le remplir, faut. Faut faire okay, plein de choses. Ouais. Je le charge déjà en munitions. Moi je vais mettre les sacs de soins dedans. Ouais, y'a pas de soucis, Muller, je le charge. Je vais aller rechercher un autre sac. N'oublie pas, du coup, c'est lesquels les autres? Celui-là. Hein, Ange, tu peux prendre des trousses à outils? Oui. Comme ça. Chef? Oui, c'est ce que j'allais faire. Il avait pas le pack. Je vais remettre un deuxième parce que okay. L'autre jour on a eu besoin de deux. Ah, après ça sera bon. Hey. Quoi? Je suis là. Mais oui, je sais pas, il m'a fait monter dedans. Je demande l'inventaire, il me fait monter dedans. Voilà. Parce que l'autre jour on a eu besoin. C'est quoi ce spécial? Déco reco. Ça m'a fait ça l'autre jour. Ok, je vais. Bah, tu leur dis que je suis de déco. Celui-là c'est. Tu les trouves où les trousses de réparation hein? Dans le plus. Je vais en prendre une, t'inquiète. Au mieux en prendre deux. T'as de la place pour en mettre deux dans le camion? J'en ai pris une dans mon sac. On va t'approcher un peu. Je peux pas la prendre, moi. C'est bon, j'en ai pris une. Ouais, faut que je reprenne mon sac. Le sac médic, t'as beau déjà. Ouais, tu mets juste des bandes à toi, des bandes MG à l'intérieur. J'ai pas de bandes MG. Eh si, t'es MG. T'as pas des bandes? T'as pas des bandes? Des chargeurs. Des balles, des bandes, voilà. T'en mets 2-3 à l'intérieur et tu te fais équipe. Il manque des choses dedans Bah attends, je vais le ramener près de l'arsenal. Le plein, il est fait dedans? Ouais. Mais regarde, normalement c'est fait, ouais. Oui. Ouais, c'est fait. Ok. Bah, monte, on te le ramène à l'arsenal. Oh, je te l'ai pas donné? André, je André, connais pas par cœur. Ouais. Il est là-bas, le MV, il est là. Je l'ai ramené. Alors. Ah,
3, je sais pas si ça suffit, mais au pire, okay, on demandera. Ouais, ça marche. De tous les chargeurs que t'as dans le MV, Shadow. Ouais, parce que 7 BTR, ça va être simple, tu mets quelques chargeurs pour toi, pour ta MX. Après, Alpha, ils en ont aussi. Ouais, mais on sait jamais. Alors, la fois, je te rappelle quand c'est tapé un tir. Oui, c'est vrai, ouais. On va prévoir large. Ça, c'est le nôtre. Ok, ça devrait aller. Magnifique. HK. C'est quoi la CP? Est-ce que j'ai des fumigènes verts là? 37 pour Alpha. Pour Bravo. Je la mets sur carte. Ouais, je la mets sur carte. Donc, du coup, je vais mettre la transportée dans celui-là, c'est celui-là le nôtre. Hein. Oui, c'est celui-là le nôtre. Ouais. Ok, on se met sur 103 pour Alpha. Mais déjà une trousseau aussi, il y en a même déjà deux. Entre du leader, c'est un peu moi quand on est. Ah, t'avais mis un truc, On s'est défini une course portée. Le call vient de m'envoyer un message. On se définit une course portée. Sam. De Shadow à Alpha, test radio. Ouais, je te vois pas dans le groupe. Test sur radio. Bien pris. Du coup, il n'y a pas d'opérateur radio pour notre squad. Non, il n'y a plus d'OPD, il n'y a plus courage, de PLP. Ah, papa. Merci. Bonjour et bon courage. 2, 2, 2, 3, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Il est où, papa? Oui. C'est bon. Il est où, papa? Alors, lieutenant, c'est ça dont je voulais vous parler. Il est où, papounette? Est-ce que je prends la thé ou... Ah, pousse-toi. J'espère qu'ils vont être... Excusez-moi. C'est pas grave. Ok. Eh ben, Poulette, il est où? Mais t'étais où, pas Poulette? T'avais des soucis de... Ah, on s'est inquiété, on a cru que t'étais tombé dans l'escalier, tu t'es fait casser le cou. Alors t'as pas utilisé ton bracelet, on avait été vraiment... Hein, Sam, on était inquiets. Ah bah ouais, on commençait déjà à faire les User in your channel, time down. Bah ouais. Ah bah mon dieu, t'allais pas hériter de grand chose. Non mais on allait appeler les pompiers pour aller casser ta porte, pour savoir ce qui s'était passé. Ah oui, d'accord. Oh là là, tu nous as inquiétés, Poulette. On a du temps. Bon courage. A tout à l'heure, Poulette. Quelques chargeurs. Oui. C'est quoi notre radio? 37. Comme ça, mes châteaux, rapprochez-vous du MV de tête. Ça va pas déranger les autres groupes. Quoi, il y a deux sacs médicaux. Je laisse là, l'autre jour, on a eu un souci. On était content d'en avoir. Non, mais l'autre jour, on a eu un souci, mais le sac était dedans et le MV a pété avec. Ouais, mais après, on avait plus de matos, même avec un sac supplémentaire. Tu peux en enlever un si tu veux. C'était pas avec un sac supplémentaire, on avait le sac qu'il y avait dedans. Et on avait largement assez de matériel, c'est juste qu'on n'arrivait pas à prendre ce qu'il y avait dedans. Ok, Shadow, si nécessaire, c'est toi qui es responsable du petit arme. Laissez le deuxième sac médic dans le truc. Hein. D'accord. Bah ouais, si on arrive à tout faire rentrer, on n'a pas besoin de... Ah, c'est pas moi le chef. Chef, il est là. Les missiles, ils passent du coup? Il est là, le chef. Il est où? Ouais, les missiles, ils doivent passer, là, il y a de la place. Hein. Ouais, nickel. Pas trop, hein. QMG, qui... négatif, l'émission, on peut passer. Tu m'entends? C'est sûr, les missiles, ils vont pas passer. D'accord. Alors, on peut tester, mais... Bah attends, j'enlève un sac. Y'a de la place. Attends. Y'a de quoi mettre des trousses à outils et tout dedans. Normalement, les missiles, ils passent. Là, les missiles passent. Lourd, mais c'est pas grave. Oh, ça passe large. Ouais, mais t'es clair, je fais un truc. J'ai pris un latte. Voilà, t'as pris un latte pour ça.
Non, ça passait pas, j'avais raison. Ah bon, par contre, 42 kilos pour un snipe, faire attention. Mais tu veux pas que je les prenne au pire? Bah, t'as la plateuse, c'est déjà assez lourd. Hein. Bah, je suis à 32. T'inquiète pas, il fait du bodybuilding, ça passera. Il y a 32, c'est bon. 32, vas-y, regarde, je pose le lat. Je pose le lat, je passe à 35. Voilà. Il est passé à 41, lui. Hop. Moi, je passe à 38 kilos. Là, je suis à 40. Je crois. Attends, je suis à 38, ça va, moi. Ouais. Mais les médics, ils sont tous gros. 39. Bah ouais, je sais. Je t'ai dit, je marche pas, je roule. Non, c'est mieux que tu sois à 35 pour un TP. Et avec les petites poches de saline, je suis au moins. Ah ouais. Je suis protégé, je suis gonflé. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est un litre. Okay. Un litre et du 500. Tu puisses récupérer ta respiration très vite, tu passes des bons tirs. Non, mais c'est bon. C'est quoi notre CP? Alors, les garçons. Et les garçons, vous m'entendez là? Oui. Si je fais l'appel, si je dis Zaïef, Yves, Johnson, Blaise, Blaise c'est moi, vous répondez OK. OK, ça veut dire que vous n'êtes pas blessé. Il n'y a pas besoin de dire je ne suis pas blessé, c'est OK. Okay. D'accord. Okay. Par contre, si vous avez blessure, vous me dites blessure. D'accord. À l'appel, okay. À chaque fois que je fais l'appel. Non, mais t'as juste à dire check unit. C'est pas grave. T'as tout le monde à tour de rôle, du plus gradé au moins qui. Il décrira s'il est bon ou pas. Voilà. On devrait normalement se ramasser quelques BTR pour la tête et voir plus s'il y a du renfort. Du coup, Yarny, il faut topo du déplacement. Donc, déplacement, regardez sur vos cartes. Après Zaros, à ouest de Zaros, vous voyez, séparation à Favaro. Ouais. Donc, nous on ira vers ouest, là où il y a mon doigt. D'accord. On prendra Sarutre là, ensuite à Scarfour là. On ira par ici, avec le premier blindé, du coup. Nous, on ira ici, ou ici, mais je pense plus ici parce que là, c'est trop proche de Kavala. Après, c'est... Ouais, on ira là, avec le premier blindé. On a eu une reco ou pas? Une fois qu'on sera là, on va faire une reconnaissance. On est en train de se faire la reco par 6ème. Ouais, ça va être d'accord. Donc, nous, du coup, on va attaquer Neri. Donc, une fois qu'on est en hauteur, on attaque Neri. Donc, on va nettoyer cette petite maison là et descendre directement là, nettoyer tout et puis descendre au sud si besoin. Et du coup voilà, normalement d'après le capitaine il y aurait des BTR, pas des hommes surtout dans cette zone là. Peut-être pour attraper Neri, on descendra là. Yarny, vous pouvez mettre des points où vous allez vous mettre s'il vous plaît, comme on a convenu sur map. Bah je vais mettre des points blindés du coup. Regardez, mettez, précisez-le quand même. Ouais. Lieutenant, regardez sur capitaine. Carte en groupe. Capitaine, le véhicule, c'est possible. À vous, celui-là. Ouais, merci. Il est rempli, je vais remplir. C'est celui-là qu'on va faire, justement. Ouais, bah voilà. Ouais. C'est pour permettre de suivre. Lieutenant. Bien joué. Oui. Quand on sera dans la ville, dans Neri, c'est du maison par maison ou c'est dans les rues? Étant donné qu'il y a beaucoup de ruines, on montera pas dans beaucoup de maisons. Je peux prendre un ou deux BTR. On aura plus de maisons par-ci, par-là. Non, pour vous répondre, le but de ce soir n'est pas de faire du porte-à-porte, mais de repousser la force. De repousser la force au maximum. Il peut y avoir des hommes dans des bâtiments cachés, mais le gros de votre travail, de notre travail ce soir, est de libérer la ville de ses rues. Évidemment, vous allez devoir faire front avec des hommes qui sont cachés, retranchés dans des maisons. Mais le gros du travail reste la rue. Capitaine. Et les collines, etc. Je vous assure qu'il y a du monde. Oui. Capitaine, on doit soutenir l'infanterie ou on doit neutraliser tout ce qu'on voit? Vous soutenez l'infanterie en neutralisant tout ce que vous voyez. Okay. Non, mais ce que vous avez dit, qu'il y a plusieurs ennemis dans les collines, mais nous on les verra presque directement. Quoi. Donc, faites attention à votre cul, on verra bien mieux. Et la radio des autres, si on a besoin de les contacter, on est. Capitaine? Oui. Oui, donnez-moi du coup des limites par rapport à la ville, genre tout le sud là, vous voyez sur votre carte. Là, toutes ces maisons là, on y va du coup aussi. Je sais pas s'il faut m'arrêter. Non, votre limite est la route principale, vous la voyez alors. D'accord. D'accord, donc ne dépassez pas et peut-être que vous n'y arrivez. Le but n'est pas de prendre un point fixe en terminus. Le but est de faire le gros du travail dans cette zone. Ouais, oui, je vois, mais je dirais pas aller. On évite. Là, là. On évite. On va vraiment dans les riz, on dépend un petit peu. Affirmatif. Blaise,
Oui. J'ai entendu votre question bienveillante, mais si vous voulez mettre une deuxième radio, vous mettez la 100. La 100, c'est la mienne. D'accord, parce que si j'ai besoin d'aide pour la réanimation... Le major, il est toujours pas revenu, du coup... Bah, ça sera par moi que vous passerez. D'accord. Juste ne sait pas parler non plus. Vous êtes sur quelle fréquence pour... On est sur 37, tout est marqué sur carte. Ok. Mais là, la tienne aussi... Non, je peux être LG... Vous êtes sur la 100, en longue, 37. Non, on est qu'en compte portée, nous. Ok. On n'a pas de longue. Ok, bah si vous avez un problème, après. D'accord. Bien pris. Il est pas reconnecté, qui c'est qui s'est déconnecté? Ensuite, on va se mettre, c'est le Major Bourne. Ensuite du coup c'est 103, donc 103, hop, 103 là-bas. 103 et le blindé, leur fréquence, est-ce qu'ils l'ont marqué du coup? Non, ils l'ont pas marqué. Attendez, bougez pas. Affirmatif, 6ème, bon courage à vous. Allez à tous en voiture, on va y aller. À tous en voiture, monsieur. Allez, on y va, on monte. Capitaine, oui. Bennett avait quelques soucis de presque force. Il nous manque un soldat. Il est dans la même vie, je crois. Allez, montez. Alors ça c'est sympa ça. La porte, on prend ma place. Johnson, non, tu vas pas te mettre en tir. Non, c'était pas vous. Il vous est. Ouais, je vais. L'un de vous deux. Voilà, demande autorisation de se mettre en route sur le barrage. Réitérer. Demande autorisation de se mettre en route pour le barrage. Affirmative. User left your channel. Bon, Yves, t'es en tireur. On part dans une minute. Carole, ouais, bah si tu veux y aller, hein, tu me dis. On part dans une minute. Regarde ta carte. Ah, t'es conducteur. Affirme. Tu vois le barrage B1 là? 300, ok, ça marche. On part dans une minute, les gars. Là, ici, on va tourner. On va descendre. Je vais la prendre la route. Par là, contre, ouais, 50, là, c'est quoi le channel 50? Oh, y a pas, voilà, tu remontes. Pour, 50, c'est la phobe. Mais ça, on s'en fout, ça. T'as pas besoin. Ouais, ça marche. D'accord, non, parce que je suis sur la 50. Même à la limite, ici, là, on est trop à découvert. Ah, ouais, non. De base. Tu peux faire Yarni, je m'allège, j'ai posé mon PA dans le véhicule. Ça marche. De toute façon, il y a peut-être une. Attends, on va tourner où du coup? On va tourner là. Il y a peut-être une chance du coup que tu ailles sur la montagne entre Panochori et Eneri, tu vois, en point 130. Après, si c'est nettoyé, s'il n'y a aucun danger. Ouais, c'est pour ça que je t'avais proposé de descendre là, c'est vallonné là. Voilà, ouais, c'est pour ça. Mais de toute façon, oui, on va arriver là, on va faire de la reco et on passera peut-être par là s'il y a du bah, c'est que là tu vas descendre à découvert, il n'y a pas beaucoup de forêt ici. Ouais, mais on fera un mieux. Ça parle d'un terrain super. De toute façon, il n'y a pas très beaucoup de forêt dans la région. Hein. Ouais. Mais non, mais tu vois, si on descend là. Et que ici c'est clear. User et là on est couvert channel. par le versant. On remonte et on peut les avoir par le flanc là. Ou alors ouais, on fera un crochet. Et après comme ça on peut remonter. Ouais, donc arriver là, faire la roco, descendre la vallée. Moi je passerai même en mode comme ça. Et je te mettrai sur ça moi. De toute façon on verra s'il y a des blindés tout ça. On descendra pas tout de suite. On les neutralisera. On verra avec le premier blindé. C'était le capitaine ça. Voilà quoi. J'espère qu'il y a une bonne. On va pas non plus aller dans un. Normalement. On part ici là parce qu'on peut prendre une putain de suicide. Dans la je prépare au pire pour que ce soit possible pour nous. Pour la LP, je vais mettre n'importe quoi parce que j'ai écouté ce qu'il dit de la 50. Mais la 50, y'a personne dessus. Ouais, mais. Ah, y'a personne dessus de base. Normalement, non. Où il y a peut-être le capitaine et le 6ème ECT, mais sans s'en fout. Et une seconde radio à mettre, mais la 100 au pire c'est celle du capitaine, donc tu entendras tout ce qu'il dira. Mais allez, on comprend pas plus que ça. Non, mais c'est la LP du véhicule en fait.
Allez. Oh. Attends, oui, pourquoi pas. On va peut-être prendre la magie noire. Ah, il y a un chaman qui va venir. Ouais. Pas de problème, au contraire, ça va. On aurait dû se faire héliporter. Par contre, mon capitaine, on retrouvera nos véhicules avec les équipements dedans. Ah. Ouais, d'accord. Allez, sortez tous des véhicules, on va se faire magie noire tèche. On aurait pu y aller en parachute, oh. Allez, sortez tous. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait parachuter. Non, on s'est jamais fait parachuter donc. Ah si, pour ma première mission, si. Ah bon. Mission nocturne et même oui, qui était avec nous qui avait été de côté. Ça. Oh. Oui, je m'en rappelle maintenant. Waouh. Bon, il y a une petite réunion là. Ouais. Il fait quoi le lieutenant colonel de la route de manifestation, manifestation. Ouais, non, mais désolé, mais comme il est déjà 22h10 et qu'on va très très loin là, les MV, écoutez, je vais essayer de les ramener ici. Je pense que je peux le faire, que ça soit exactement ceux que vous aviez. Just do it. Écartez-vous, messieurs. Yes, you can. Alors, ouais, j'ai bien l'impression que vous allez devoir vous écarter un peu là. Attention. Lieutenant sur la route. Colonel en mode recul, c'est normal. Et là on se prend un embuscade, on meurt tous. On teste une grenade ou pas? Hein? Le lieutenant, on teste une grenade ou pas pour voir qui meurt? On fait un test grenade ou pas pour voir qui meurt? Ça va aller, Muller, merci. Fais-le sur toi, tout seul si tu veux. Voilà, on te regarde. Ouais. Ça c'était le tout premier MV qui avait sur zone vérifié l'équipement à l'intérieur. Ah, dites-moi si à l'intérieur pas le neutre. Y a tout... C'est le deuxième. Il a dit si... Reculez-vous un peu jamais. C'est pas c'est viable ma magie noire. C'est lequel? C'est celui pas trop de Star. Encore. Le marabout. Il a dit que c'était encore, bon l'équipement. Pas ça. Ouais, ouais, on la poutre de Bamako, ça marche pas encore. C'est pas totalement opérationnel. La poudre de père à papa n'est pas totalement fonctionnelle. Sound muted. Coucou les viewers, merci de votre présence, c'est gentil. On part en mission là, voilà. On commence tout juste à la mission. Donc en gros, il faut. Voilà, on doit rejoindre cette zone là avec les tanks. Ensuite, ici, on doit nettoyer la zone et remonter par là, je crois. Le plus gros du travail, c'est nettoyer cette zone-là. Donc, je sais pas s'ils veulent passer par là, enfin, à eux de voir. Je vais remettre le son et merci d'être là, c'est très gentil. Sound resumed. Oui, c'est le nôtre. Y a ton prénom gravé dessus. Non, c'est pas mon prénom. Non, mais attendez, c'est à moi ça. Ah mais c'est ma voiture de service. C'est bon, y'a tout ce qu'il faut. Mais attendez, c'est ma voiture civile ça qui est foutue avec. Oh, il a disparu. Oh. J'ai envie de voir aussi. Bon, il pompe beaucoup en énergie, c'est pour ça qu'il est resté pendant une seconde, mais... Camouflage nul. C'est le camouflage pour les missiles dès qu'il est verrouillé. Pac, pac.
Ouais, ouais, c'est pris. Alors je sais pas c'est lequel celui-là. Patientez une minute. C'est on, pas. On c'est le vôtre, minute. Capitaine. C'est le vôtre. Bon. Il y a un sac de drones dedans. Lui, il y a un titan dans le vôtre. Vous voulez qu'on le dépasse, capitaine ? Non, c'est bon, ça va aller, merci. Un titan, deux sacs médics. C'est vrai que le nounours il est bien chargé quand même. Hein. Ah, c'est oui. Nécessaire, c'est nécessaire. Il est chargé à craquer de l'autre. Il a pas à terre à péter. Hein. On va péter les pneus, on va rouler sur un caillou. C'est vrai que je pense que si ça pète. Johnson, vous avez pris quoi comme armement ce soir ? Vous êtes TP ? Ouais, je suis TP, j'ai pris HK-417. Je l'ai mis en TP comme on a une montagne repos là, c'est la montagne stand-by. J'ai pas mis voilà, et ici normalement c'est le dernier Humvee. Ouais. Ouais, il y a tout ce qui est pas crack boom boom. Ouais, ah non, ah oui, oui, oui. Allez à tous, on rembarque. Ah mon pied alpha, premier DB, suivi d'Alpha, suivi de nous-mêmes et suivi de Bravo. Mon cul. D'accord. Bien pris mon capitaine. Ouais, j'arrive. Ah mais j'arrive. Nous. Un tireur. Bravo, va nous de l'autre côté, la va de l'autre côté, va de l'autre côté. Affirmatif, c'est quoi ce bug? On ferme la marche nous du coup, attends que le capitaine passe. Ouais, pas de soucis, j'ai entendu. Le capitaine est tout seul dans le tac? Non, il a. C'est Koubrat avec lui. Ah. Mais il a un jetac finalement. Koubrat, il fait conduit, le drone. T'es bien en canal groupe ou tu vois bien les tuer? C'est Naka qui conduit et oui. C'est Naka. Ah, c'est Naka? Oui, c'est Naka. Ah, c'est Yvon Tireur, d'accord. Ah, oui, d'accord. Bah, du coup, je t'ai fait un triplé en canal groupe. D'accord. Dans le canal groupe et je te fais le triplé en même temps. Ouais, parce que là on est plus du tout dans la même. Voilà, comme ça, au cas où s'il y a un problème, on a notre. Excusez, effectivement. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Il faut au fur et à mesure. Pourquoi ils n'ont pas le même chemin que nous, ouais. Bravo, on se sépare du. On voit. Ah bon? Pourquoi on se sépare maintenant? Bah parce que je suis votre route là. Bah non, attends. Pourquoi il tourne maintenant? Pourquoi il... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on n'est pas resté avec eux? Pas dans la campagne. Ah bah moi je suis la route du major, de lieutenant. Bah écoute, moi c'est ce qu'on m'a dit dessus. Ok. Bon bah je suis fait comme ça hein. Bah écoute, mais il respecte les ordres Naka. Attends, on est où là? Je suis la route du lieutenant. Bleu. Non bah écoute ouais non là il y a clairement un non ouais non il y a un problème. Bon bah écoute celui-là moi je sais pas je comprends pas. Mais c'est quoi le délire en fait, on revient en arrière là? Non. Bah non on va vers le sud vu que Neri et Panochori sont au sud sauf que eux ils continuent vers Aguirre et Ochori. Mais pourquoi on a été à B1 alors? Je sais pas. Le dos on peut parler là. On peut reparler. Essayez de contacter le capitaine. Attends, arrête-toi. Ouais, c'est pas normal là. C'est bon, moi. Ouais, non, là, y'a un problème. On ressort de la zone pour rentrer dedans? Bah non, c'est pas logique. Pas non, mais non, mais nous, on était au barrage. On était au barrage B1. Bah, il fallait continuer avec eux. Mais non, regardez le point de séparation sur la carte. On doit se séparer là. Donc, normalement, on a tous allé là et puis se séparer. Normalement, c'est. C'est bon, ils sont derrière. Ils sont derrière. Bah attends, relève, laisse tes passements. Bravo ouais, Naka, c'est qui se sont trompés. Voilà, c'est qu'ils se sont trompés. Vous avez signalé 064 unité de 3. Précision pour 064 unité de 3. Ils se sont trompés, c'est pour ça que je pense. Confirme. Ah. T'as vu que j'ai raison. Oh, à bonne chose, ils ont 3 bêtises. Nous on en a 2 et 1 UAZ. Un UAZ armé bien sûr, hein. Sinon ce serait trop. Et ça se trouve un tank, attention. Bah tu sais que y'a peut-être moyen qu'on se ramasse un T90 ou comme ça de cavale, hein. Y'a moyen. C'est vrai que nous on est en bordure de cavale. Hein. Voilà, c'est pour ça. À tout moment on peut très bien entendre le capitaine dégager, 3 tanks arrivent sur vous ainsi qu'une centaine de tangos. Très bien, mais... on peut très bien entendre ça, tu vois. En fait, on les aime bien. J'ai l'impression qu'en vrai, on tombe toujours sur les bonnes escouades avec les tanks et tout. N'oubliez pas,
C'est vrai qu'on tombe toujours sur les squads où on se ramasse des trucs de ouf. Ouais, à la fin de la dernière mission, c'est pas vous qui avez ramassé des trucs de ouf. Ah, et le mortier. Le mortier, bah, on a quand même mangé deux tanks, hein, nous. Ouais, enfin, ah oui, nous, on a toute notre espèce qui est tombée. Mais si, on a quand même mangé deux tanks, des manches, il était à terre et tout, on a pris chien. Ah, j'en étais très bien, puis après, l'autre, c'est le sixième qui s'en est chargé. Ah oui, oui, j'en souviens. Nous, on est arrivé sur zone, on s'est carré. Oui, au stade, oui. 5 minutes après, on s'est bouffé un missile dans le MV. Le MV a pété, j'avais pas de bouche d'oreille. Arrête-toi, sauf que dans le MV, il y avait toutes les grenades aveuglantes et incapacitantes. Comment ça se fait? Attends, Star, regarde. Il y a une... C'est normal. Une D5, un accident. Encore? Wow, par contre, ils ont pris cher, il est en feu. Bien. Allez, on continue, avance. Ok, pas besoin d'aider à réparation? Non, bah écoute, capitaine m'a dit d'avancer, alors on suit les ordres du capitaine. Non, du coup, le capitaine a répété sur la 100, je sais pas si y en a quelqu'un d'autre dessus, il a dit du coup qu'il faut faire très attention de nos cycles, surtout enfin, de notre derrière. Faire attention que ce soit bien libre pour qu'on puisse partir rapidement, parce que tout peut venir de Kavala, vraiment tout. On sait pas à quoi s'attendre, mais on peut pas s'y attendre. C'est mieux sans la radio, capitaine. Non, le TP, sur la ligne normalement. Waouh. Oui, il y aura tout le monde du coup, donc ça c'est bon, c'est effacé, un pack cela. Entre nos deux points recto, d'accord. Donc du coup, là, je pense qu'on va essayer de faire en sorte que l'envie nous colle assez proche. J'ai vraiment pas envie d'aller voir débarquer 4 ou 5 chars, 3 ou 4 BTR et ouais, une cinquantaine de mecs à côté. Déploiement infanterie motorisée. Voilà, ou un parachutage, une connerie. C'est fou, j'ai jamais les Stingers en mission. Ouais, bah après il y a le 6ème c'était pour les blindés, donc si jamais il y a un problème, voilà, ils canardent tout, c'est fini. Mais bon, on sait jamais quand même. Il suffit qu'il y ait un Tigris ou une. Moi j'aimerais bien tester le Stinger, on peut pas visiter le MCT, voir ce que ça fait. Vas-y, à tes risques et périls. Bah, on n'a pas souvent de cible aérienne en fait. Bah, étant ouais, donné que les aéroports sont tous pétés. Putain, on aurait dû investir, je voulais tester moi. Ouais. On rappelle les Japonais, alors on aurait dû reprendre la presqu'île. Mais il n'y a pas d'aéroport. C'est un coup du Gémonsor. Ouais. Par contre, vous avez vu, c'est les ennemis les plus gentils qu'on ait jamais vus. Ils nous attaquent pas, nous on les agresse comme Jojo et ils nous regardent faire. Ouais, t'as vu. Mais ouais, c'est ce que j'avais dit. Là, tu parles de façon wow. Nerveuse. Oh, c'est quoi bien, ça hein. Attention. Bah, wow. Ouais. Non, parce que là, les Russes sont assez passifs. Hein. Ah, c'est 6ème, c'était qui charge. Attends, arrête là. Mais je vais me mettre un petit peu à couvert quand même. Ouais, non, c'est un blindé la quantité. Merci, j'ai pas sûr. On est presque au niveau de la séparation. Oui, c'est un militaire qui sont détruits d'abord. Je vais prévenir le capitaine, attendez, bouge pas. De Yarnia, capitaine, parlez. Ah merde, attends, est-ce que vous pouvez prévenir s'il vous plaît le 6ème ECT qu'on arrive au point de séparation Alpha et Bravo s'il vous plaît? Parce qu'ils ont détruit un BTR, on veut pas se faire allumer. Yarni? Permission de descendre pour. Oui, il est déjà fait, tout à fait. Non, reste là, t'inquiète. Tu veux pas faire du repérage parce qu'un BTR tout seul, ça m'étonne quand même. Non, bah y'a le 6ème ECT, ils auraient détruit à côté, ils auraient informé sur carte et là y'a rien. Il y a juste des trucs devant nos yeux alors. Il était peut-être perdu. Ouais, sauf que c'est perdu, il s'est exposé avec une mine qu'ils ont posée hier, tu sais. C'est déjà arrivé, je crois, en plus, que les Russes se fassent péter par leur propre mine. Ça part, lieutenant. Oui, c'est bon, tu vas suivre, ouais, je continue. Vas-y, continue, suis là. Les Russes, ils se marrent tout seuls. Bah écoute, oui, un jour, on était dans une mission dans une forêt, c'était au nord. Nord-est, je crois, nord-ouest. Dans une grande forêt, puis il y avait un tank russe, et puis d'un coup il a explosé. Et on a des plus personnes, enfin, c'est lui qui a pété, qui l'ont posé, qui sont pété. Wow. On manque juste une défense technique, mais vu qu'ils avaient mis le terrain. Ouais, ça tangue un peu. Pas trop. Non, ça tangue un truc, je me suis cogné la tête, j'ai été gâché. T'as eu la chance que ça tue pas. Ah ouais. T'as enlevé le petit plastique. Affirmatif. Ah, le petit autocollant qui débarre. Ouais, et interdit au moins de voilà, Peggy 18.
Ouais, la voiture elle a volé pour moi là. On avait dit pas de substance illicite. T'as pris des champignons, c'est ça hein? T'as été à la forêt? Non, c'est Champy qui nous les a donnés avant de partir. Ouais. Non, bordel, on reçoit rien dessus. Ah, bah là, ça va être compliqué là. Ça, par contre, là, ça se prend en embuscade, on est pas dans la merde. Ouais, on a aucun contact radio. On a aucun contact radio, les gars. On est seul à nous. Ça me plaît, là, on a la LP du véhicule, je peux contacter sur la 50, la 6ème, je crois que c'est. D'accord, tu l'as. Mais mets-toi sur la canal 100. Je peux pas sur LP. Ah oui, merde. Et je sais pas s'ils sont 50. Hein. Pas du tout. Ah, attendez, je fais un petit check-up, ok, d'accord. Je vais sur Rocco Bravo, hein. Oui, Rocco Bravo, vas-y. Juste avant du coup, nous on est foutu. Là on arrive à la séparation des routes, on termine en Pampa. Il y a un impact à notre gauche. Entre les deux, entre les points de repos, ouais. Entre les deux. Entre les montagnes. Bah, ça m'étonne pas vraiment, en fait, on est en plein milieu de la ligne des lignes. On les engagera au silencieux, je pense, plutôt que le calibre. Faut pas se faire repérer directement. Ralenti. Ouais, ralenti, faut que t'ailles plus sur la montagne là. À droite, là, à gauche, ouais. En plein gauche, va derrière la montagne, plein gauche. Ah, mais on m'a signalé des PAX à gauche, donc je voulais le couper. Ouais, mais le problème, c'est les PAX, et de l'autre côté, on sait pas ce qu'il y a, donc éviter. Avec le 2 tank. Bien, 20 mètres. Voilà, on va voir les villes comme ça. Regarde des images de tête. Rapide et furieux. Il y a le 6ème qui traite. J'espère qu'ils vont pas nous lancer d'hémicycle parce que je serais dégoûté. Continue à avancer, te garde pas là, vas-y. Bon, loin du tout. Lâchez les contre-mesures. Ah non, on passe en pleine montagne. Ah bah là, oui, pour le coup, on est dans les hauteurs. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, on est là. Ouais, ouais, j'étais perdu. Ok, le PAX a été traité. Pas de problème. Voilà, détartré. Le PAX a été traité par des ratiboisés. Par Jean-Michel Hélicoptère. Le 6ème. Voilà, le 6ème. Jean-Michel 6ème, c'était. Jean-Michel Hélicoptère. Par le 6ème. Hélicoptère, très connu dans le premier jeu. Faut faire attention parce que. Il y en a peut-être qui sont pris quelques éclats qui se sont réveillés, on sait pas. Faut quand même attention. Ouais, à gauche, quoi, ça a pété. Et pas qu'un PAX du coup. Vas-y, tu vas pouvoir continuer, c'est encore à 400 mètres le point. Tu vas pouvoir continuer. Prends un peu plus à gauche parce que là, tu vas te faire chier avec le caillou. Oh la vache, ça me donne envie de gerber. Là, oui. On a pas d'autre chouïa à gauche là. Et on arrive au premier dé. Oh, contact, ouais. Merde, putain, je vois rien. Ils sont engagés de la droite. Derrière, bah, de l'autre sommet. Et alors, si tu vois ta tête. Garde-toi derrière le rocher. Ouais, affirme, ouais. On va essayer d'être prêté. Ouais, de toute façon, il a 150 mètres notre point, donc c'est. Et c'est juste de l'autre côté là, hein, sur le. Allez, débarquez. On va commencer à les traiter, à faire de la reco à partir d'ici. J'ai rien contre pété, moi, les gars. Vous les avez vus, les tangos? Ouais, sur la droite, là, face à moi, sur mon. D'accord, ok. Les tirs venaient de là-bas. Ouais, affirmatif, je les ai un peu plus en. Assume 300, il y a 3 tangos. Appelle ça, moi, ça commence. Vas-y, allume. Ah, terre, vas-y, continue. Tu vois pas du tout. Ils sont en azimut de ma position 310. Bien pris. Il est encore debout, donc je suis. Il est re à terre, retraité. Il y a d'autres tirs. Ouais. Chez nous. Juste un peu plus en contrebas de la montagne, près des petits. Ah oui, voilà. Il s'est relevé. Ah oui, d'accord, ok, là-bas. Il est retombé dans le commun. Ça s'est relevé à gauche. Bien joué. L'autre s'est relevé à droite. Putain, il s'accroche à lui, il est déterminé lui.
3-4 comas, ils sont pas les plus sur l'air. Wow. C'est un truc de fou ça. Ça devrait être bon, ça devrait être bon. Je sais pas s'il y en a pas encore un troisième. Encore une fusée, putain. Bon, Johnson, du coup, tu gardes la. Bah, le chantier en visuel. Bien reçu. Attendez. Ok. Bien pris pour Aro. Ok, donc les frappes du CIB. C'était eux, on fait peur aux insurgés, du coup ils se retranchent dans les maisons apparemment. Ça va être plus compliqué que lui. Là c'est bon. Ok, bougez pas, faites attention, regardez partout, je vais faire un peu de reconnaissance. Est-ce que je peux venir avec toi pour l'arco? J'ai le champ de tir de Johnson actuellement. Ok, bah vas-y Johnson, reviens. Ah. Johnson, j'ai du travail pour toi. J'arrive. J'ai un pax de 6 à 8 tangos sur une montagne. Derrière, t'as des cailloux. Je peux faire une grande chose. T'as aussi un tango azimut 240. Ah oui, y'en a aussi sur la route qui arrive. Un pax de 3 tangos azimut 238. Il y aura du travail, mon petit. Alors, ouais, ça contre, bouge au-dessus de la montagne, ouais. Ouais, y'a beaucoup de pax là, y'en a au moins 3 ou 4. L'air de se réveiller là-bas, ils sont de dessus. À la limite, le pack sur la route, non, ils sont que 3. On va pas lancer une grenade, ça sert à rien. Hop. Vas-y, je vais m'occuper du pack sur la route. Mets-toi sur la montagne. Ah, la montagne. Azimut 220, t'as dit? Alors attends, je te redis ça, je te dis les mètres et tout, je te dis tout. Ouais, ça bouge. Azimut, ouais. 220, voilà, il y en a un qui s'allongeait, et j'en vois plus qu'un maintenant. Non, il y en a deux. Ça se lève et ça s'allonge. Ouais. Ils sont partis distance, derrière la colline. Une distance approximative, au niveau des rochers devant lui. 620 mètres, ouais. 620, 624. Ouais, 620, 630 mètres. T'en as 3, oh là là, 1, 2, 3, 4, ils sont 4. Ils sont 5, 6 normalement. Lieutenant, c'est le 6ème juste au-dessus de nous. Normalement, oui. Et sur la route, il est où ton... C'est moi qui tire à côté de toi. Limite ceux qui sont sur la route. User left your channel. Ils sont où ceux de la route Juste en contre, bah là sur la route 234, azimut 234. Il y en a un derrière une barrière de sécurité qui passe sur le sophie. Il a mangé une tête, il est mort. Ah, je les vois pas moi. Il en retiré. Il en manque un. Il en reste plus qu'un mais il a disparu, merde. Oh merde, j'ai pas mis le vent aussi. Ah ouais, oui. D'accord, je comprends. Ouais, il y a une légère. Ah, mieux comme ça. Tu les as? Oh là 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 là, ce tireur d'élite. Ils descendent, t'as vu? Ils descendent. J'en ai eu un. Ouais, je vais t'aider à tirer. Ouais, il commence à faire feu les enfants. Mais qu'au tir, ça vient de la ville. Non, on a des tangos azimut 222 sur une montagne, on s'en occupe avec Johnson. Il y en a dans le coma en bas, sur les rochers. Il y en a un qui court tout en haut de la montagne, tu vois. Ah. On en a un petit peu, allez. Oh, chargeur. Ça tape à côté de moi là. Ouais, ils ont l'air de bien viser ces petits russes. Chargeur aussi, merde. Ils se réveillent en dessous. Ça marche. Regarde la route parce qu'ils étaient 3, j'en ai eu 2. Où est le troisième? Il a dû fuir. Il est retombé dans le coma. Tu reçois des tirs doux Ah, je les vois. Ils sont azimut 111, ils descendent 2, mais je sais pas si c'est notre équipe. Attends, tu les vois? Azimut 111.
C'est de chez nous ou pas? Azimut 111, c'est de chez nous ou pas? Deux Tango. Je sais pas si c'est de chez nous, je vois mais pas. Mais regarde l'uniforme, avec tes jumelles. Oussanini. Azimut 111, 113. J'arrive pas à voir si c'est de chez nous. Apparemment, ça serait de chez nous. Sur la montagne, en contrebas. Oui. Au-dessus de la colline, en 111, ça doit être de chez nous. Ok, bien pris. Ouais, c'est de chez nous, ça, Ange. Hein. Ouais, ça ouais, regarde c'est vers. Ouais. Ça regarde vers Panacherie. Un petit peu à la limite, on peut tous s'avancer là-bas. Ouais. Yves, tu vas remonter dans la MV. Tu vas remonter dans la MV et tu vas l'amener à Azimut 286 là, au niveau des petits murs et juste à la montagne en face. Bien compris. Allez, on va tous se mettre en mouvement à Azimut 285. Sur la montagne juste en face, il y a des petits murets. Hop, ça, j'étais là, nickel. Ça, les gars. Johnson, on va avancer. Du coup, t'as entendu Azimut 286. Affirmatif, j'ai un mur invisible devant le Tango de gauche. Merde. Et bouge avec nous. Sur la droite, au niveau des petits cailloux et des murets, du mur en pierre. On va se poster là et faire la reco ici, on sera mieux. Éco-tire. C'est Johnson qui tire, sur la montagne. Johnson, fais attention à tes chargeurs. Coma. Bien pris, fais attention à tes chargeurs. Hein. J'entends rien, je suis sourd. Ah, mets tes bouchons. Non, mais je suis sourd complètement. Je n'entends plus rien. Pourquoi? Et c'est relevé, il est repassé derrière la colline. On a un tank derrière, c'est chez nous le tank là. Il fume. Il est où? Il est là, placé là, en bas, là, derrière la montagne. C'est devait ça doit être à nous. Ouais. Ça doit être à nous. Ça doit être la première DB. Ouais, c'est ça. Johnson, du coup, fais attention à tes chargeurs. Si jamais t'en as plus beaucoup, dis-le et on appelle le 6ème CDO, on essaiera de s'en charger. Quoi. Bien pris, j'en avais pris 12 pour la mission. D'accord, mais fais attention à pas t'en retrouver plus qu'un pour la ville. Quoi. Ah, c'est vrai cool. Ah, ils arrivent. Je te rappelle que j'ai toujours mon PA aussi dans la voiture. Oui, c'est sûr. Yves, tu vas venir avec moi, on va aller faire la reco. Vous avez fini, du coup je vous laisse là. Faites attention, vous couvrez bien. Ouais, je vais contacter la première DB pour leur dire qu'on est juste à côté. Ah oui. Fais pas bêtise, Zaef. Allez, viens. Si vous avez le moindre problème, Zaef et Nini, vous le dites. Hein. Ils sont résistants ces Russes, ils se relèvent trois fois avant de tomber.
À croire que les balles sont en plastique. J'aime pas, je suis pas bien placé là. Ok, la DB nous a en visuel. Bien pris, nickel. Je sais pas où me placer pour être en sécurité ici. Bah, place-toi derrière moi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vachement près du MV6, s'il saute, on va être mal. Bah, normalement, il devrait pas sauter, j'ai un visu sur tout ce qui pourrait arriver de Cavala. Donc... À tout le monde, entre notre. Enfin, regardez vos cartes. À côté de notre point reco, vous avez un point d'exclamation rouge. Il y a un BTR sur cette zone-là. Faites très attention. Normalement, le CMST va bientôt s'en charger. La première DB est au courant ? Oui, normalement oui. Et le CMST va frapper. Affirme. Mais faites attention, s'il arrive, cachez-vous. Et n'oubliez pas que vous avez des fumigènes. Et ouais, BLAT. C'est... De toute façon, normalement, il y a la première DB entre eux et nous. Ouais, mais si le BTR tombe sur nous comme ça par hasard et que le DB est assez loin, on se tombera avant qu'ils arrivent. Ok, la première DB recolle sur nous. Bien pris. Il est en train de galérer avec la montagne, il s'est arrêté. De quoi, l'UBT ? Sur la colline, là, celui qui est à gauche des rochers, je peux pas le toucher. J'informe le premier DB que je vois un BTR. Bravo.
position. Avancez du coup, ceux qui sont derrière l'azimut à 150 sur nous. Au niveau du blindé. Dernier, regarde chat. Ah ouais, merde. Merde, merde, merde. On va continuer à avancer, on verra s'il revient ou pas du coup. Oh, attendez, je l'avais pas vu lui là-bas. Où ça? Ah, ah non, il est détruit, j'ai rien dit. Il y avait un BTR, mais il est détruit. User joined your channel. Bien pris pour la Z. User joined your channel. Yarny, on se prend des tirs. Ouais. Comment? On se prend des tirs. Merde. Ok, là, on va commencer à avancer du coup. Je t'ai pas sûr. Yarny a planté, on va commencer à avancer sur la ville. Écoute, écho-tir, ça vient d'où? Vous entendez? Je foutais rien. Ok, ils sont en train de tirer du coup pour vider leur. Ok, c'est bon. Ah oui, on prend des tirs, hein. Oui. Il tire d'une maison, ça vient d'une maison. Allez, Johnson, vas-y, fais-le. Il y a des packs qui tirent à... Il y a des packs qui courent à zone de 200. Checkez tous les maisons, là. Ça vient d'une maison, là. Pour l'instant, j'ai un contact en azimut 200 en bas de la. Il descend vers la route. Tire en vue, je l'ai en visuel. Azimut 247 au niveau d'une maison détruite. Ok, ils sont tous détruits, excuse-moi. Azimut 200. Azimut 246. Il se fait allumer. C'est bon, il est mort. Il est mort. Non, mais c'est bon, il est mort. TP est mort. C'est bon, il est maintenant. Azimut 200. 200. Azimut 200, ça. Ouais, je l'ai touché, mais je sais pas s'il est. Il doit être mort. Fumigène blanche, ça. Ouais, il était là. Sur la route, putain. Il était sur la route. Ouais, bah c'était le troisième du coup que j'avais vu. J'ai réussi à. Je le vois. Il est pas mort, putain. Vas-y. Vas-y. Mort, c'est bon. Ouais, c'est bon. Yarny, je vais enlever mon silencieux. Vas-y. Ça me fausse mes tirs. Tu vas rester ici avec le blindé. Ouais. Ok, donc Johnson, tu vas rester ici avec le premier blindé, tu vas nous couvrir et du coup, Zaf il est parti, il revient pas. Merde, c'est pas cool ça du coup. Bah Nini et Yves, du coup, on va avancer. Je vais prendre du coup qu'on a perdu Zaf au capitaine. Il est parti où? Bah je sais pas, il a eu un problème de cerveau, il est pas. D'accord. De Yarnia, capitaine, parlez. On a perdu Zaf, il a eu un problème type cerveau et il revient pas. Il a pas l'air de revenir en tout cas. Allez, c'est parti. On va avancer là-bas. Bon, on a rien pour se cacher, putain. Allez, Yves et Blaise, suivez-moi. Blaise au milieu. Dernier à blindé par là. Il y a Johnson, du coup, notre TP. Attendez. Oui, excusez-moi. Attendez, bah du coup, Naka revient. Il y a Johnson, notre TP, user joined your channel. Blindé, donc si vous bougez ou pas, précisez lui pour pas qu'il soit perdu après. Donc Johnson, écoute, tu feras pareil, si tu bouges, tu leur diras, voilà, pour pas qu'ils s'inquiètent s'ils te perdent. Ouais. Bah du coup, on va attendre là, il y en a qu'un qui revient. Je check un peu les maisons. Vas-y. Bon, on sait pas bouger. Ah ouais, je vois le sniper là qui est dessus. Par contre, il va falloir qu'ils soient heureux. Ça.
dernière bande. À vos 6h en contrebas de la montagne, juste en dessous, il y a notre vie. Voilà. Mais... bah du coup, Zef, voilà, oh petit invité. Tu seras re-amené ici avec Arsenal et tout le bordel. Non, il va se stuff et il va se faire. Ouais. Maginoiriser. Maginoiriser, comme dirait l'autre. Bah, du coup, on va attendre là, désolé pour l'attente, mais. Que s'il se fait maginoiriser en plein milieu de la ville, ça va pas être sympa pour lui. On aura une situation. Ah, j'ai une belle vue de cette église. Ah ouais? Ou alors de gauche là-bas, tu vois. La montagne où il y avait les tangos. Ah ouais. Bah là, ça va, c'est pas mal. Tu peux même escalader des cailloux. Oh, il y a pas mal de civils morts. Et même après, je sais pas parce qu'il y a les arbres, mais tu vois. Ah non, après ça fait chaud, ça fait loin. Azimut, là en face de 300. T'as une autre petite montagne aussi, mais après ça fait loin. Après, je vais pas aller. Je suis à combien max avec le. Je suis à, ouais, enfin. 800 mètres, c'est bien chaud. Ah, j'ai un tango en azimut 165, c'est pour toi. Parle radio, moi je t'entends presque pas. En 165, c'est pour toi en snipe azimut 165. Distance 950 mètres, ils sont deux. Ah, t'es gentil toi, 950 mètres, j'ai pas les éléments de calcul. Hein. Bah écoute. Non, oui, d'accord. Ils sont deux tangos au niveau du hangar blanc. Zef, de retour. Bien pris, Zef, très bien, tu es là. Nickel, vas-y, rejoins le groupe. Tu dis combien en mètres? 950 mètres, je te précise, attends. Johnson, si t'arrives pas à l'avoir, use pas tes balles, c'est pas notre ville, on n'est pas censé agir là-bas, mais si tu peux les avoir, ce serait toujours un plus. 960 mètres, exactement. Mais pas 4 chargeurs dans le vide, quoi. Faut que je me stabilise. Viens à ma place, viens à ma place. Viens ma. Ouais, Johnson, oula, je veux comme pas tu veux. Plus d'un chargeur, d'accord? Ouais. À part s'il y en a vraiment beaucoup à refourguer, mais fais très attention à ça. Allez, Zef, Yves et Blaise, on va se mettre à bouger sur la ville du coup. Attends. Allez, go. Carrément. Là, depuis le temps, on va avancer en ligne. Médecin 1 plus à gauche. Laisse à plus gauche. À gauche. Ouais, tu restes voilà. Plus à gauche, à côté de Yves. Yves, comme ça, ok, très bien. Zef, là. Zef, mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu. Voilà, là, comme ça, très bien. On laisse 5-6 mètres d'espace entre nous, on avance. Allez, go. Objectif, les maisons azimut 264. Un tango neutralisé. Ah, tu vois, merci Nini. Bravo Johnson. J'ai un vent fort venant de phase, donc faut que je rehausse légèrement. Allez, il te reste un autre. Il y en a un d'allongé, c'est celui d'allongé que t'as vu? Non, c'était celui de debout. Mais autant pour moi, dans la ligne, il reste un peu plus derrière, oui, excuse-moi. Deuxième, ah non. Neri. Coma. GG. Je commence à être fatigué. Ouais, merde. Civil mort sur la route. C'est blindé qui tire, c'est blindé. Bon, on va pouvoir faire une pause à la maison là. Sécurise avant et la petite cabane autour aussi. Attends, Zef, tout ça. Blaise, si tu veux faire une pause, fais-la stratégiquement derrière un caillou, couvre-toi. C'est bon? C'est bon? Là, c'est une information sur moi.
la maison clear. Bien pris. Hangar sécurisé. Bien pris, bravo Johnson. GG. Ok, mais ici, on va faire une pause ici. Okay, ici. Allez, on fait une pause ici. Je reviens partout. Je vais me mettre dans la maison. On a Alpha qui se fait prendre à partie, mais je sais pas sur quoi. Il y a le 6ème LDB qui sont en train de les aider, Johnson. Mais couvre-nous à nous. Ils sont bien gentils, les copains, mais bon, ils sont set avec nous, Johnson. Donc si. Ok, voilà. Pour moi. Ok, ça marche. Presque. Bon, là, presque. De toute façon, tout le nord c'est clair très bien. Je vais faire un petit tour. C'est bon, c'est bon. Bien pris, on va rester 30 secondes de plus. Je vais lancer une grenade caméra. Non, caméra. Caméra. Quoi. Et voir si je peux avoir un petit visuel. Voir s'il y a 2-3 tangos cachés derrière assez loin. Je suis pas rassuré. C'est que c'est, le gars. Laisse-moi tranquille. C'est Craig Valkyrie là. Allez, c'est déployé. Pourquoi je fais que marcher? Allez. Appuie sur ta touche de combat on off. Allez, couvrez bien tout, faire dans 360. Parachute, oh, putain, 100 mètres devant. Yerny, tu confirmes parachute? C'est moi. Johnson, tu me ressens? Fermez. Oui, c'est moi le parachute. Hein. Ah d'accord. Faites la bêtise. 4, regroupement. Comment? C'est qu'il y a d'ailleurs du tango avec, je pense. Ouais, sûrement. C'est quoi, c'est un UAZ ça là-bas? Un BU. Donc il y a rien du coup vers le nord. Putain, c'est tellement utilisé cette caméra. Il y a rien pour l'instant. Allez, hop, on quitte ça. 4, rassemblez-vous. Faut que j'aille. Je suis obligé de faire un AFK. Tout le nord est clair. Tout ce qui en garde, tout ça, c'est clair. Je suis obligé de faire un AFK. Tu me donnes 2 minutes, s'il te plaît. Vas-y, allez, dépêche-toi. Yerny, vous êtes à quel niveau là? Je vous ai perdu. On est en 043, unité 9, en abord de la ville. Près d'un petit chapel. D'un petit. Merde. Petite église avec cimetière. Pavé numérique 9. Tu vois ce que je veux dire en disant pavé numérique? Ouais, bien pris. Tu nous en visuel?
côté de la première DB, non? Un point bleu a été mis sur carte, regarde juste au nord de la ville. Retour en formation. Ouais, visu. Très bien, nickel. On va avancer du coup par le cimetière par là, on va tout faire. Pas immersif sur carte. Bah ouais, je sais, mais bon. C'est rapide, simple, efficace. Allez, Mi. Je suis là, c'est bon. Ah, super. J'étais rapide. On va faire une jolie colonne qu'on a l'habitude de faire. Ça, Yves, tu vas passer en premier, je vais passer en deuxième, Blaise en troisième, et Yves, tu fermeras la marche. Bien pris, Yves. Compris. Azimut de progression. Bien compris, bien compris. 240 là pour l'instant, vas-y, va tout droit. Vas-y, avance. Là-bas, normalement, c'est. Regroupement. Il y en a là-bas. Vas-y, passe de l'autre côté du mur. Tu vas longer le mur, vas-y, longe le mur, longe le mur. Coucou. T'es où à... On est chargé comme des bœufs. Et ouais, là, ouais. J'ai pas vérifié si je parlais en forme ou pas. Parler bien, bien fort. Alors, on se met en faible ou en normal? On se met en faible? Non, non, on parle en fort, on parle en fort. On parle en fort? Les Russes ne comprennent pas le français, donc aucun problème. Ouais, mais ça nous repère quand même. Ouais, ça nous repère. Ça va écouter merde, qui comprennent. Ça va faire 6 mois qu'on parle en fort tous les jours dans l'émission, donc. Ah bon, moi j'ai toujours baissé, c'est pour ça. Ah. Personnellement, j'ai toujours pas là. Toujours parlé en faible, mais personnellement. Bravo, j'écoute. unité 9. C'est au nord, c'est près de la petite chapelle sur le monde, sur la montagne 65. Bien pris, j'informe ton premier blindé. Premier blindé, vous êtes. Vous êtes toujours sur votre montagne, même point. Est-ce que vous avez entendu l'appel du capitaine? Apparemment, il y aurait un UAZ au niveau de la petite chapelle où on a, premier, où on a traité le premier. C'est ça, hein? Les coordonnées. Je lui donne les coordonnées. Ici, bien bravo, noté. Coordonnées 0, 3, 9, 4. Unité 9, pavé numérique 7. T'as donné au premier blindé? Vas-y, répète. 0-3-9, unité 9, pavé numérique 7. Montagne à 65 mètres d'altitude. 0-3-9-8. Pavé numérique 9, ok. Ok, bravo, terminé. Ah, mais c'est là-bas, mais on le voit pas, non? Bah, c'est ce qu'a donné comme coordonnée. De Yannis. Moi, je le vois pas, hein. Allez, on va continuer à avancer du coup. Ok. Ouais. Allez, vas-y, continue comme ça. Merde, attendez, excuse-moi. Hop, allez-y. Oh putain, ce champ de ruines. Oui. Recolle sur les maisons un peu. De Stuart Tayarni. D'accord. Mais essayez de regarder autour avec si vous êtes thermique, vous devez regarder partout autour. Il y a Stuart qui te parle. Parce qu'il Yarny. Est en mouvement, le capitaine. Yarny, Stuart oui. Te parle. Ah merde, bah attends. Pour la 37. Ouais, c'est je suis avec le blindé en même temps. Oui, Stuart, j'écoute. Vas-y, écoute. Sur mes azimuts 282 sur un terrain de foot. J'ai un sniper allongé à 1052 mètres. Je pense que tu peux l'avoir. Non, je rigole. D'accord. J'ai un vent assez fort venant de ma gauche, ça va être assez compliqué. Non mais ça sert à rien, si c'est pour le faire bouger et qu'après on le perde de vue, laisse-le tranquille. Dis-le nous par contre s'il bouge. Bien pris.
je commence à être essoufflé. Eh ouais, je pense d'avoir reçu une bombe là-dessus. Et une seule. Et... ouais, c'est pas... Vas-y, continue à gauche, prends à gauche. On va fouiller de... ruelle en ruelle, on va traverser. Merde, j'ai épuisé. Ah, même l'église et tout. C'est... qu'est-ce qu'on entend là, des tirs de quoi? J'ai entendu deux tirs. On va faire une pause dans ces ruines là. Les tirs c'est de chez nous. Ouais, je pense. Ouais, fais du coup. Ça vient d'à gauche du DB donc. De Yannia, capitaine, parlait. Le DB n'a apparemment pas trouvé encore l'UAZ. Est-ce que vous pouvez informer le 6ème si c'était pour qu'il les détruise, s'il vous plaît? Ah, super. Voilà, ça va être détruit. Ah putain, mais c'est dégueulasse! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Zef? Juste une jambe dans la ruine à gauche. Oh merde. 4, regroupement! C'est bon pour la respiration? Ouais. Très bien, allez. On reprend la colonne, continue à avancer du coup 192-200. Oh bordel, regardez pas la jambe, allez, continue à avancer. Ah merde! Vas-y, on... moi je suis habitué, ça me fait plus rien. J'en vois tous les jours, je mange un petit déjeuner. Attends, reste là, je vais mettre derrière. Ah, bon, hein, il fut une bien, époque là, ouais. Où on emmenait les jambes coupées, les bras coupés à l'incinérateur. Si tu veux que je te raconte, vas-y, mets-toi, je l'ai pas su. 213. Petite true story. Allez, 8215, Yves, tu vas avancer. Je te parle de ça, il y a. Allez, Blaise, tu vas le suivre. Blaise, ouais. Je vous suis. Zaev, viens. Hop, hop. On va voir de l'autre côté ce qui se passe. Rien pour l'instant. 4, information sur moi. Alors, prends la colonne, vas-y, Zaev, avance comme ça. Viens. Faites gaffe de pas tomber. On rentre pas dans la maison. Pour ça, on va tourner autour. Johnson, tu me ressens? Parlez. L'UAZ apparemment il a pas encore été détruit, enfin j'ai pas entendu le tir. Si jamais on a une grosse vague de renfort sur nous, on se donne rendez-vous, tu prendras le MV du coup, on se donne rendez-vous, on était au tout début, tu sais, avec le point bleu. Au niveau du okay, nord de la ville. Retour en formation. Attends, ça fait une petite pause. Ouais, ferme. Voilà. Parce que si l'UAZ a pas été détruit et qu'il ne informe Kavala qu'on est là, va falloir qu'on dégage plus vite qu'on est venu. Bon, ça a l'air juste rien ici. Druide, hein, ah ouais, mais bon, on est obligé de voir s'il n'y a pas encore des Russes. Tu vas prendre après à droite sur la route, on va suivre la route. On retourne au milieu de la ville et puis descendre sur le sud. On aura tout bien fait. Mange, c'est bon. C'est bon? Oui. Allez, oui, on avance. Oui. C'est bon, Yves aussi? Allez, go. Sorry pour le bail, bon. Regardez pas. C'est à son âme. Attends, Zaev, ça. Reste attentif, Zaev. Rassemblez-vous. Vas-y, continue à avancer, mais reste attentif, on sait pas ce qu'il y a. Il peut très bien surgir trois Russes d'un coup et on sait pas. Plein de cachettes dans un champ. T'avances plus vite que moi, ouais. Moi je prends les barrières. Attention au croisement. Tu vas aller à 10300 là sur la maison. Sur la maison en ruine. Un peu du monde dans ce monde de brut. Continue.
continue, on va encore marquer une pause. J'écoute Yarny. On marque une pause, on marque une pause. Contact. Oui, je suis sur votre... Merde. Zev, je suis touché. Allez, Zev. Il est à terre, traitez, Tango, traitez. Viens, viens vers moi. Rapproche-toi, ils vont traiter. Mais Tango est traité. Ouais, mais il y en a peut-être un autre. Allonge-toi. Attire, vas-y. J'ai pas visuel sur ce qui vous a tiré dessus, j'ai un arbre devant. D'accord, bien pris, Flamelon. À 9h. 3, 6. C'est entre là-bas. Les deux maisons là. Ouais, les... là-bas. La maison à l'étage. Attention, ça arrive sur vous. Ça arrive sur vous. Ça vous rush. Ça arrive sur la rue. Couvrez-vous, on a du Tango qui arrive sur nous, les gars. Là, devant. 230, c'est ça. Juste devant vous. Tu surveilles mes fesses. Non, surveille mes fesses. T6. Il y en a d'autres, il y en a encore plusieurs. Je sais pas, j'ai vu que celui-là arrivait vers vous. Ok, et le BTR du coup? Pas de visu. Ah bah c'est bon, ça devrait être bon. C'était un homme d'équipage ça. Rassemblez-vous. Oui. Normalement, c'est bon pour toi. Le DB est en train de neutraliser un BTR en azimut 49. Et pour ce qui est du groupe de. Enfin de Tango là, t'es pas. Y en a encore. Écoutir, c'est vous? Ouais, je me suis tiré dessus. Tu es où? Mais t'inquiète pas, j'ai rien. À vous. Des blessés ou pas? Non. Non. J'ai l'impression que ça vient derrière moi. Ouais, voilà. Azimut 210. Vas-y. Restez pas tous les deux ici, faites attention. On va avancer à Azimut 330. Allez, go, on avance. Allez, go. On aura plus de passage cachés par ici. Voilà, on se calme. Passe à gauche. Merde, dernière, vas-y. On monte. On monte. On va passer derrière là, on va passer derrière. Yeah. Par ici. Il y a l'église qui cloche, mais elle est détruite. Tout va très bien. Alors on va faire ça. Ah non, t'as compris, elle a pas la cloche. Buvez. Allez, on traverse. On va bouger là-bas, on aura peut-être une meilleure visuelle. Vas-y, on va. Il y a que la cloche qui est résistée, quoi, magnifique. Allez, Niv. On va faire une petite pause ici. Les tangos qui restaient, du coup, ils venaient d'Azimut 200. C'est à nous ça? C'est à nous, ça, c'est pas à nous. Ah non, ça c'est pas à nous ça. Signal au DB.
Ça c'est chez nous ça. Ouais mais y'en a un qui est encore bien plus haut dans le ciel. Genre peut-être à 500 mètres. Ah ouais, de quoi affirme. T'as fait genre une émission pour moi, je sais pas si ça lui ou pas. Ah, y'en a un qui a peut-être parlé. Le 6ème côté pour cette personne ou plusieurs hélicoptères. Okay. Y'en a un. Bon, d'accord. Y'a un hélicoptère, un deuxième hélicoptère qui arrive de Kamala. 3 sur Neri. Armé. Armé. Armé, bien armé, c'est un cache-mal. Tirez pas, ça sert à rien. Attention, deuxième hélicoptère. Nini, je m'occupe de moi, attends. Allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ouais. Qui d'autre est blessé? Naka. Merde, putain. Me traite. Le temps que Nini se traite. Allez-y. Ah, rassemblez-vous. Vas-y, prends position ici. Mais en fait, il y a un deuxième hélico depuis le début qui nous survole, bordel. Ouais, faut demander au capitaine, c'est quoi ça? Ah ouais, mais attends, je vais perdre mon mec. Je l'avais dit pour un sticker, putain. Et ouais, putain. C'est lui qui doit informer les Russes, hein, de ce qui se passe, hein. On aurait dû. J'aurais pu le dire. Il me faudra des points de suture, Yarny. Véhicule. J'entends un véhicule. Ok, bon, moi je suis traité, il faudra seulement des points de structure aussi. Ouais, moi je vais avoir besoin. Viens vers moi. T'es où? Il y avait un tango juste derrière nous. Oui, oui, c'est lui qui m'a tiré dessus. Non, non, c'est un deuxième. Attends, non, t'es pas bien placé pour moi. Il y avait deux tangos. Viens par là. Voilà, ouais. Tu marches bien ou pas? Ouais, t'as pas de soucis de marche ni rien. Stuart, t'as leader. J'ai plus de visuel sur vous, faites attention. Rassemblez-vous. C'est reçu, Stuart. T'as pas de douleur? Négatif, je me suis mis une morphine. Ouais, bah c'est bon. Vas-y, dis-moi ce que je dois te faire, je te le fais. Des sutures. Où ça? Des sutures, tu fais directement les sutures, ça va me soigner. Attends, je suis buggée. Je peux pas m'allonger, c'est bon. Trousse de suture, tu vas voir. Pour le... torse. Trousse chirurgicale. Trousse chirurgicale. Allez. Stuart, pour rien. Oui. C'est bon? Normalement, c'est bon. Normalement, c'est attention, bon. Attention, Nico va s'écraser pas loin de nous. C'est bon. Merci. Y'a pas de soucis. Stuart, pour Yarny. J'écoute, excuse-moi, oui, depuis tard, j'étais sur la 100. Permission de bouger en point 044 unité 6, pavé numérique 9, sur un bâtiment. Altitude 130 mètres. Si c'est sécurisé et que t'es sûr de toi, vas-y. Mais fais attention. Bien pris, j'informe le DB. Fais très attention qu'il n'y ait pas un coup de russe qui vient de te capturer. Ça peut paraître con, mais ça peut arriver. Fais très attention. Coucou Céline! Parce que c'est déjà arrivé. Allez, c'est bon, tout le monde est soigné? Oui. Ok, parlez plus radio maintenant, parce qu'avec l'hélicoptère, on n'entend rien. Allez, on va reprendre la colonne, on va avancer à 6230. Vous avez signalé l'hélico tout en haut là? Non, pas pour l'instant, mais je l'ai perdu de vue. 230. Je vais le signaler quand même, attendez un moment. Oh non, il me faut une trousse de premier soin, Yarny. Vas-y, bouge pas. J'ai la jambe cassée.
information sur moi. Au moment où je vais les informer, le SIMCT retourne sur base pour un ravitaillement. User disconnected from your channel. Écho tir. C'est pas le Tango azimut 193 sur la route. Azimut 193, il allait côté est, donc azimut 171. 75%. Attention, l'hélicoptère qu'on va repasser. Ok, traité. C'est bon, merci. Ah ouais, d'accord, on a un hélico russe sur notre gueule, merde. Encore un hélico sur notre gueule. Ah, rassemblez-vous. Bravo, nous sommes en train de tenir sur la fin de la vidéo et quelques coups de présent. Sinon, tout se passe bien. Bien pris. Ah, une nouvelle hélicoptère. Il faut qu'on se mette à couvert en avance, en avant. C'est sur la 100 là. Tango, vas-y, 1891. Derrière la route en contrebas, juste devant, 75 mètres. Là, il sort, Zef. 190. Allez, rentre dans les maisons, c'est pas couvert. Allez, allez, dans une maison, allez. Oh putain. Ok. Pas du tango là-bas. Où ça? User disconnected from your channel. MG, je monte à l'étage, pardon. Ouais. T'entends? Oula. J'ai un tango, azimut 200 tout juste derrière un escalier, il arrive. Attends, je vais le traiter. Passe bien, je devrais me le faire. On a l'hélico qu'en cache le DB. Putain, chargeur. Bien pris. Fais attention à toi, Yves. On aurait dû prendre un Stinger. Qui c'est qui l'avait dit? Bah c'est moi. Non, je rigole bien sûr. J'ai bien fait de bouger. Ouais, en effet. Le premier DB s'est pris une... Ouais, le premier DB est en train de se faire allumer par le blindé, par le l'hélico. Et ouais, mais ça, un Stinger ou pas, on pouvait pas prévenir, on pouvait pas prévoir. L'hélico, qu'est-ce qu'il se passe là? Il y a un drone, bordel! Où? C'est un gros drone qui largue des missiles, il retourne sur Kavala. Oh bordel, ouais! Le contact, le capitaine. Négatif, je crois que c'est le 6ème en attendant le ravitaillement de son Apache. Ah oui, oui, oui. Ah oui, affirmatif. C'est les derniers drones qu'on a reçus. Ah ouais! Ah, ok, d'accord, ok. Demandez confirmation au JTAC. Je demande au capitaine. Tu te mets où là? Tu te mets où? Le 6ème CT est sur place avec un drone confirmé. D'accord, bien pris. Ok, c'est confirmé, c'est le 6ème CT le drone. Ok, pris. Ça court autour de nous, c'est qui? Ça court. Merde. Y'a quelqu'un qui. Ça court autour de nous. Moi je marche à côté de vous sur un petit toit de garage. Non, mais là ça courait. Je sais pas. Position s'il vous plaît. Je peux pas te dire, c'est au caisson. Johnson, on. Attends, excuse-moi. On est en 0,
4, 0, 1, 1, 7. Pavé numérique, 8. Bien pris, Johnson. Bien pris. Bah, j'ai visuel sur vous, Yarny. Bien pris. Allez, on va reprendre là, on va, l'avancement. Puisque l'hélico est parti, plus aucun risque. Allez, on va reprendre la colonne. On va passer derrière la maison. Qui c'est qui fume là ? J'ai entendu le bruit d'un zippo. Allez, Zef. Oui, c'est qui fume là ? C'est moi. D'accord, allez. Fais attention à pas mal aspirer et t'étouffer, ce serait cool. Allez, tu vas avancer sur la maison, la porte bleue. Quatre, information sur moi. On va descendre un peu plus bas et voir. Eh ben, je sais pas où, moi je préfère mille fois moins avoir des hélicoptères plutôt que des blindés. Hein. Oh, écoute, attention, tire. Prends des tirs. Azimut 230, recule, 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 recule. Ça vient de l'azimut 240, 230 par là. Attention, attention. Affirmatif derrière un mur, je le vois. Attention, pas prendre de balles bêtement. Ils sont deux. Allez, traitez si vous pouvez. Devant. Ah bah y'a rien. Un d'armes, l'autre qui court. Bordel merde. Recule, 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 Zef, recule, recule. On va te soigner, on va te soigner. Viens dans la maison. Dans la maison, je suis dans la maison. Viens dans la maison. Je suis là. Viens. Ouais, attends, je m'installe. Je vais peut-être m'allonger parce que si on se prend un tir. Allez-y, allez-y. Hop, hop, ah, tu t'es pris une petite tatouille, ça va aller. Ouais, ça va aller, ça a dû taper dans le casque. Ouais. Oui, tu saignes pas beaucoup, ça va. C'est une fillette ou pas, Zef ? Ah, négatif, mon lieutenant. C'est la cigarette, ça. J'ai failli me prendre la balle, bordel. Où ? Qu'est-ce qui tire, là ? Il y a un tango qui est en train de m'allumer, mais aucun visuel. Bon, lui, il me voit, mais pas moi. Bouge pas, bouge pas. Pourtant, si je le vois pas, il devrait pas me voir. Si je le regarde pas, il me voit pas. Bordel, mais il est où ? 4, rassemblez-vous. Enfoiré. C'est bon, tu peux me dire si tu as mal ou pas ? Négatif, pas de. Ok. De oh, je me fais allumer, je me fais allumer. Tango de derrière, azimut 30, azimut 20. Il y en a un tango derrière. Sur une maison azimut 30. Attention, il va, attention, il est juste derrière. Lieutenant, il y a deux armes derrière, des armes de l'autre côté de la route là-bas. Putain, prendre derrière, on prend derrière. On se fait en cercle, on se fait en cercle. Ouais, les autres, faut les avoir là-bas. Allez. Hop, hop. Ça va Ouais. Tu m'as fait peur. J'ai pris une balle. Attention, attention. Besoin de suture, j'ai encore une. Allez, ils sont pas corrects. Encore ? Ouais. Y'en est mal. Y'en est mal, Ange. Y'en est mal. C'est pas grave. T'arrives pas à le voir. Il t'a remis une tête, ouais, en effet. Ok, je le vois, il est en face de la maison en ruine. Sur la route, sur la route. Décale, décale. Ça va me sortir sur la route. Il est où, tu m'as dit, en face 255. Ouais, il est devant la maison en ruine, près de la route là. C'est bon normalement. C'est un peu plus loin.
Ola. Qui est blessé là. Dernier terre, je touche. Il faut que j'aille le chercher. T'es comment? Tu es... Il est conscient ou pas? Négatif. Ok. Reviens là. Viens me voir, viens me voir. On va changer de maison, attends Blast, tu me sonneras, après on va changer de maison. On retourne en arrière, on va back un petit peu. Tu viens, on va aller sur la 6130. On va traverser la route à 6130, allez. Allez, on traverse, on traverse. Chargeur. Allez, rentrez. Oh bah, rentrez. Allez, on passe derrière. Putain, la con, elle est bloquée avec putain de ruine. Allez, hop. On re... Il on nous en manque un. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon, tout le monde est là. Allez. Venez dans cette maison là. Qui n'est pas blessé là? Qui est blessé? Oh bordel. Il vient de la découverte. Qui a besoin de soins? Qui a besoin de soins? Yarny, reste dans la cage d'escalier. Ouais, je vais soigner ici. Bouge pas. Bouge pas. On va changer d'approche. Ouais. Merde, t'avais mis ton garrot, je te l'enlève. Ça putain. Va, voilà. C'est pas grave. On va me soigner. Oh là 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 là. Et tu te soignes en pleine vue, toi, Yarny. T'aimes... C'est bien. Non, t'inquiète pas, je regarde aussi ce qui se passe. Bah oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Vas-y, tu regardes en te faisant tes soins, t'as raison. Bah. Vas-y, va te prendre une tête, tu vas voir. Si t'arrives, j'aurai un. De quoi vous le dire, en fait. Quelle merde. Ah. Allez, tout va bien se passer, on a bientôt terminé. Puis s'il y a trop de renforts, de toute façon, on dégage. Johnson, tu nous en visionnes? Affirmatif. Bien pris, d'accord, on est en train de se soigner, on est deux blessés. Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de renforts qui arrivent. Pris, malheureusement j'arrive pas à avoir visuel sur vos renforts, j'ai des maisons et des arbres devant. Yves, tu pour vises, l'instant il y avait que 4 ou 5 d'angos, mais si j'ai peur ton qu'il y en viseur plus. Bouge, t'as on peut-être le bras cassé. On va retenter une approche, mais si c'est trop risqué qu'on en voit de plus en plus, on dégage. S'il te plaît, Yves. 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 Il a FK. Yves, bordel. Yves! Il a dû avoir un problème, attends. Bon, viens vers moi, je vais te finir tes soins, toi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tu vises et tu me dis si ton, ta visée bouge, t'as peut-être le bras cassé, tu me dis. Bah ouais, ça bouge légèrement. Bon, t'as un bras cassé, ok, je vais te soigner. Attends, je m'occupe moi de Yarny avant. T'inquiète pas, vas-y. Bouge pas. Finis-le. Mais finis-le. Tu veux que je le finisse vraiment? T'inquiète pas, vas-y. Moi aussi, il va me falloir une petite trousse. Ouais. De soins et chirurgicales, les deux. D'accord, t'inquiète, je vais ou faire. De soins, je vais voir. C'est toi le pro. Donc morphine. Oh, qu'est-ce que fait bien du bien. Qu'est-ce que fait du bien la morphine. Oh là 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 là. C'est bon normalement pour toi Yves. Vas-y, Mathieu. Et encore, c'est pas tant de mal que ça. Yarny, viens attends, ici, s'il te plaît. Hop, voilà. Vous allez, surveillez les gars, surveillez derrière. Ouais. Ok. D'accord. Bon, je vais commencer par une trousse chirurgicale. Tu me diras après si t'as le bras cassé. Je pense que oui, j'ai ma veste en sang, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Tu t'es fait une morphine ou pas? Oui, mais ça a pas suffi. Fais-moi une première sang, j'ai très ouais, mal au bras. Attends. Bravo. Bon, une seconde. Il y a mon bras, ouais, il tombe. Et il s'est décroché de ma manche. T'as du scotch? Ouais, je vais te le scotcher, attends. Ouais, on a un petit problème de bras là. Bon, du coup, pour ceux qui sont pas sur le canal 100, le capitaine a informé qu'il y avait un peu plus d'enfants aériens qui arrivaient par vague. Et on va pas rester très longtemps, du coup, on va bientôt RTB. Magnifique la portive. Ah, vous avez vu ça? Ouais. C'est le premier que je vois l'utiliser, après moi. ça me touche. C'est bon. Super, merci. Ah ouais, mon bras il tient, merci. Je te rappelle s'il tombe.
Ok, normalement il devrait pas tomber. Je t'ai mis une super une super attelle. Super glu, d'accord. Bon. C'est bon, tout le monde est soigné ? Oui. Bien. Ouais. Allez, on redescend, redescendez. Enfin, celui qui est en haut du coup, Zaef. On va avancer un petit peu là-bas au niveau du mur, on va voir ce qui s'y présente. Qu'est-ce qu'on a de beau ? What the fuck ? Allez, on va avancer en bas. Eh les gars, vous suivez ? Allez, on va avancer sur le sud. Il nous en manque un, c'est bon. Toujours là. Attendez, mettez-vous, cachez-vous. J'ai l'impression d'entendre un hélicoptère encore. Oui. Ouais, mais la sixième elle est dessus. Ouais, tant mieux. Ah oui, il est juste au-dessus là. Attention, hélicoptère russe dans le ciel. Ouais, il y en a encore un autre. Le capitaine est au courant, non ? Oh, éco-tir. Je sais pas, je communique pas avec lui. C'est qui est derrière là? Qui est derrière là? C'est Léonie. C'est Léonie, c'est bon. Léonie, bordel. C'est tous morts, bordel. Léonie, en fait, ça. Il est blessé. Allez, on va faire un RTB. On retourne tous en arrière. Il est blessé, Léonie? Léonie est blessé? Je viens vous chercher en MV ou on se regroupe au point que t'as. Bah, comme il y a l'hélicoptère, c'est compliqué. Allez, viens en MV sur la maison qu'on avait dit, d'accord? Ok, je me mets en mouvement. Ah, on reçoit des tirs. Revient, je crois. Oh bordel. Je crois que le 6ème ECT est tombé pour de vrai. Le 6ème ECT est tombé. Non, vous pensez pas. Le DB se fait incendier juste en dessous. Attention, je viens de ça, putain. Allez, RTB, RTB, on retourne en arrière, allez. C'est clair derrière. Je suis pas encore au MV. Le DB est tombé, le DB est tombé. Bien pris, on y va. Allez, allez, en RTB. Allez-y, allez-y, allez-y. Garnier, si possible, rejoignez-moi plus vite. Attention, Jonathan, si tu prends le MV, il y a un putain d'hélicoptère russe. Éco-tire. Ça a été soufflé. On va faire une petite pause. Hein. Ah, ils ont pu s'éjecter avant le système. Allez, arrête-toi là, Naka. Arrête-toi là. On va faire une petite pause ici, non? Ouais. Nickel. C'est ce que je pensais. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un, il en manque un. Bordel. Non? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tant pour moi. Bien pris pour bravo. Une frappe d'avion va être. On positionne dans la maison en haut là-bas. Non, 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 on va bouger Léonie. Non, non, Léonie, Léonie. C'est bon pour la respiration ? On va se taper des avions français là. Ouais, il y a une frappe aérienne française qui va avoir lieu sur la zone. Ah, on c'est bon ? Oui, oui. Allez, on reprend le. L'avancée. Toujours avec Army. On arrive sur le point bleu marqué sur carte au nord de Neri. On
nickel. Allez. Inverse-moi ça. Oubliez la colonne et tout, hein, juste rentrer. Sortez, sortez, il y a du bombardement, sortez vite! Nord-ouest, deux hélicoptères russes. Le capitaine est mort. Allez, 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 allez! Contact, contact à gauche! Allez, on monte dans l'MV, allez, 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 dans l'MV, allez! Oh, je peux plus, ouais, c'est eux. Oh, je peux plus. Allez, allez, dans l'MV, go! Posez pas de questions, juste le premier MV, vous voyez, vous montez dedans, allez! On vous en veut pas, mon commandant. De capitaine à Forest. Allez, vite, 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 on se dépêche. Ah bah t'es marrant, toi. Il faut pouvoir y rentrer, déjà. Je vous laisse. Allez, 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 vas-y, avant. Tu es le capitaine, tu peux niquer. Bon, sauf si c'est nettoyé. Reste plus que le côté sud, mais ça devrait être bon aussi. Putain d'avion de merde, dit quoi la con. Elles ont les vins françaises. Ouais, j'avoue. Attends, t'as vu où est parti le capitaine? Il est parti à gauche, en haut, à gauche. À gauche, en haut. À gauche, en haut. Au nord, Gunner. Ouais, il revient, il revient. Allez, allez, allez. Putain, j'ai pas mis mes bouchons d'oreilles. Wow. Regroupement en barrage B1, je te dis, c'est n'importe sur carte. Là, suis le repos, le très repos, bravo Johnson. Largeur. Johnson, j'ai fait un grand très bleu, suis-le. Il s'écrase, non? Il s'écrase? Non, il s'est pas écrasé. Si, il s'est écrasé. Il s'est écrasé? Ah. Non. Non, il est encore derrière. Il y en a deux, il y en a deux. Ah non, il y a la Warthog aussi. Oh oui! Il a réussi à détruire un hélico avec un Warthog. Faut lui faire. Putain. J'ai du mal à mettre une balle de ping-pong dans un verre à 10 mètres. Et il l'aurait pété au canon, ça aurait été encore plus stylé. Ah ouais, mais on peut pas tout faire non plus. Là, on l'aurait vu au débrief, on aurait dit pac 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 pac. Ah ouais, non, mais. Un truc de fou, je te jure. Bon, en tout cas, hein, c'était pas vraiment joyeux comme mission. Ah, avec tous les cadavres. Ah bah, on arrive à la fin là, c'est. Vite falloir se mettre devant un épisode de Dora pour oublier tout ça, les gars. Tu es la carte, tu es la carte.
Ah non, la carte ça va nous rassurer. Ah, c'est un kill de bise, les enfants. Bah, ouais. Je l'ai vu assez de fois la carte ce soir. Oui, les lourds sont à l'arrière. Merde, Alpha répond pas depuis tout à l'heure en fait. Oh, bah alors. Vas-y, continue, continue. Failli rentrer à patte hein. D'un peu plus, c'était pas loin. Ah bah je me suis bouffé un missile là. Et ouais putain. Heureusement qu'on a des MV de 3 milliards j'étais de tonnes. Pas, j'étais pas dans le MV. Et ouais putain. Attendez. Gauche. Je suis le trait blanc, le trait bleu, bleu. Blanc c'est les deux mêmes, excuse-moi. Répétez la fin s'il vous plaît capitaine. D'accord, bien. Pas de regroupement bien, enfin, bah, suis la route de toute façon, c'est la même. Mais on fonce directement à la base, pas au bien. Bon, personnellement, je connais une route plus rapide, s'il vous plaît. Oui. Oui, Yarny, j'écoute. Hop là. Pourquoi? Oui. Excusez-moi. D'accord. Ok, excusez-moi. Tu veux pas mettre en haut-parleur? Je sais bien, je le fais exprès pour le même genre que j'aime. Excusez-moi. Merde, j'ai pas fait exprès. Bien pris. J'ai pas fait exprès. Alors attends, on va arriver enfin. Bah là, de toute façon, on va couper à travers. Mais ouais, je sais pas pourquoi on a continué sur cette route en fait. Tu prends à droite là. Oui. Bah, tu suis le trait encore. Tu suis les traits. On a 45 000, mais tu les suis. D'accord. C'est un sacré détour quand même ce train. Ouais. Ouais. On aurait pu passer par Zaros, Poliaco, Kalakin, Eochuris, Tavros. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas, j'ai pris le truc qu'on a pris au milieu, enfin le. Ouais. Attends, on est où là? Voilà, c'est trop tard, on est parti pour ça. Là, on est déjà rendu au barrage. Ah bon, déjà? Ouais, on est au barrage de Xyroli. On est loin. Ah oui, d'accord, ah oui, barrage. Et ben ce que tu vas faire c'est qu'à partir de ce barrage là, tu vas couper Alicampos. Est-ce qu'on voit le trait? Ah, on voit pas le trait. Droit devant. Ah quoi? Si. MV. Ah ouais, y'a les collègues devant. Bah tu coupes pas en fait parce que s'il y a capitaine devant et qu'il nous va faire un gros support, puis je sais pas s'il va être possible. Celui-là. Hein. Oui, ou pire celui-là à la trace. D'accord, bien pris. Merde, j'ai dit les deux. Mais je fais pas exprès, j'ai fait un bon. Voilà, je t'ai fait un bon gros trait, je sais pas si tu vas le voir. Là, il est à gauche. Ouais, il est derrière, d'accord. Putain, j'ai pris l'habitude de. Merde, quoi. Je veux dire, d'accord. Allez, bombarde, Johnson, bombarde. Là, le trait bleu, tu vois. À gauche. À droite, pardon, excuse-moi, à droite. Il est à droite. Tu le prends là directement, vas-y, tu fonces tout droit, tout droit. Continue sur cette route là, donc tu. On est à peu près par là. Il va faire comme ça, on va arriver en plein dans le virage, paf, tout droit. Voilà. Continue, ouais, parfait. Ah merde, on voit plus. Le rocher, parfait, continue. Là, voilà, je te l'ai fait. Suis le triple là, celui-là. Vas-y, bombarde. Wouhou! Ouais, on fait du 100 km/h dans la brousse, quoi. Génial. Attention, le fossé, ralenti. Wouhou! C'est peut-être juste en face. Rapide et furieux. Simulator. Rapide et furieux 9. Là du coup, j'ai acheté. Oula, attends, y'a deux traits là. C'est normal. Oula, attends, brain cerveau. On part. Voilà. Bah, va sur la ville qui est droit devant là en fait.
Voilà, t'as l'autre très bleu en face, tu le vois. Rejoins l'autre. Ouais. Là, y'a un parachute. Passe à gauche, du coup, d'aller mon pote. Hein? Passe à gauche. Un parachute civil. Non, un barrage. Ah, un barrage. Un parachute civil. Parachutage des civils. Enfin, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, vas-y, va tout droit. Pas sur le caillou, ni là. Voilà. Allez, bombarde, appuie sur le champignon. Est-ce que je te rappelle que j'ai des problèmes d'image des fois? Ah, tu veux que je conduise, Johnson? Non, ça va. On veut tous conduire. Parce que moi, je bombarde. Moi, pour le même image ou quoi que ce soit. Ah, moi aussi, t'inquiète pas. Mais faut quand même conduire intelligemment. Sur le métier. Bref. Y'a pas eu de problème à l'année, hein, ça. Attention, ça va sauter! Et là, ça nous stoppe encore plus. Allez, le fossé, ouais. Attention, la végétation, bordel! Putain, j'ai rien à voir sur les arbus depuis le début là. Avec un petit brumisateur et toi, tu viens les casser, bordel. Oh, tu me déçois, l'autre. Hop là! Une clôture. Voilà, en tout cas, ça a bien changé cette île. Ah là là, oui. Mais toi, Saf, quand t'es arrivé, on était au terminal déjà. Oui, affirmatif, oui, mais je l'ai connu bien avant, j'y ai vécu ici. Ah, ah t'as un accent grécois là. On dit pas grécois par contre, ça se dit pas. Grécois. Je voulais essayer ce que je veux. Ok, je peux me dire sur ça, ok. Pourquoi prendre cette putain de montagne, bordel? Parce qu'il veut aller voir. On aura une belle vue. Ouais. Elle t'as l'hélico qui arrive derrière. D'ailleurs je comprends pas, enfin logiquement, personnellement c'est... Ah bah ouais non, mais non. J'allais dire pourquoi les hélicoptères nous ont pas suivis, mais ils sont pris un drone sur la gueule. Ouais, et ils se doutent pas, enfin ils pensent peut-être qu'on a des batteries anti-aériennes. Alors pas du tout. Voilà, pas du tout, mais voilà, c'est pareil. Qu'à certaines missions, le système ECT a eu des grosses limites. Mais limite, au pire, pas les couilles, batterie aérienne ou pas, anti-aérienne. On sort 15 Stinger, ça fait une batterie anti-aérienne. Au pire, oui. On balance 15, 15 Stinger sur en même temps. Décalé 2-3 secondes, c'est pour les leurs. Backblast, backblast. Tu vas être sympa. Oh, ça serait bien. Stylé. Il y a des Russes ou pas de rien là. Oh, putain, ils avaient dit que ça améliorait, péché. Par contre, sur Kabbalah, les mecs. 1, attends, 2, 3. Ouais, au moins 7 ou 8 hélicoptères quand même. Je sais pas où c'est qu'il voilà, est, ouais, stock, ouais. Mais. Beaucoup. Ça va faire peur quand on est devant ça. Bah, dites-vous que là, on a eu plus d'hélicoptères ici qu'on en a eu sur le terminal. Alors oui, faut avoir peur. Sachant qu'ils ont plus d'aéroport en plus. Oui. Bah ils ont le toit de l'hôpital, mais c'est une place. Une place en plus réservation, donc Ah mais non, je sais que... Il y a tout ce qui est le quai, il y a... Ah le château, c'est pas facile. Ah ils ont peut-être des bateaux, hein. Ouais. Il y a une place dedans, le château. Ouais, il y a aussi le quai, aussi. Il y a la gendarmerie de Kavala, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, affirmatif. D'ailleurs ça se trouve, ils l'ont complètement détruit, cette. Ouais, ils ont tout le port, ils ont toute la plage aussi, ils peuvent stocker beaucoup d'hélicoptères sur la plage. Voilà. Dans des serviettes, mais des hélicoptères, comme ça ils bronzent un peu. Allez, fonce. Faut pas traverser champ là. Mais non. Ouais. Ouais, non, faut respecter la barrière mer. Ouh, la barrière. Oui. On la paye cette barrière quand même, faut l'utiliser, faut la... Ouais bah oui, l'électricité ça coûte cher, en plus toi qui la paye Johnson, c'est ça, bah bien sûr. Bordel. Au niveau de la reconnaissance à... Aïe.
intéressant de changer un peu. Et après, je sais pas, place salle de briefing normalement. Moi, je me dis, il y a juste la vue. Ouais, ben.